Tout de suite, le fabuleux, le magique Christophe de Chavannes, notre invité permanent. Salut Christophe. Bonjour madame. Comment ça va bien? Pas mal. Dites-moi. Quel talent! Dites-moi, je vous demande pas comment vous avez passé votre semaine, parce que j'ai vu. On s'est bien amusé en Belgique. Regardez. Eh oui. Je sais pas quoi vous dire. Ah, c'est gentil d'en parler. C'est une très jolie émission qui s'appelle Les Orages de la vie sur RTL TV. Et qui marche très bien, je crois, chez nos amis belges qu'on embrasse. Moi aussi, je l'embrasse à l'habitude. Oh là là! Vous n'avez pas dit que j'ai une copine belge? Nos amis belges ont une copine. Ah, j'ai entendu une copine belge, pardon. Je ne veux pas savoir ce que vous faites en Belgique ou de votre vie. Je ne veux pas le savoir. Non, mais je vous dirai pas ce que je ferai, surtout. Oui, bien sûr. Comme chaque samedi, on retrouvera Philippe Cavrivière, le sociologue, politologue le plus en vue de la place de Paris, avec ses deux rendez-vous, le Fil Paul et le Fil Actu. Et puis notre sniper préféré, aussi charmant que doué. Paul de Saint-Sernin. Ça va, Paul? Et je suis à côté du patron de Twitter et j'ai eu deux nouveaux followers cette semaine. Hein? J'ai eu deux nouveaux followers cette semaine sur Twitter. Deux seulement? Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Ouais, mais moi. C'est vrai? Ils ont attendu 3 mois avant de me soutenir. C'est ma famille qui m'oblige. Ah, vous, c'est votre famille? Bah oui, moi je pense que j'avais oublié de vous suivre. Bah voilà. Non mais il m'en a envoyé 14 au bout d'un moment, je dis ok, je suis. Mais après avec Christophe c'est de la triche parce qu'on avait déjà matché sur Tinder. Surtout qu'en plus avec Elon Musk à côté, ça va être sympa Twitter. Allez, tout le monde est prêt, on y va. Quelle époque, saison 1, épisode 9, voici le sommaire. Quand l'empereur de la télévision française fait son one-man show, non, c'est pas vous. C'est surprenant et c'est sans filtre. Michel Drucker se lâche sur scène dans son nouveau spectacle et il est dans quelle époque ce soir? Elle est la confidente des Français. Elle les fait accoucher de leurs souffrances, de leurs secrets, tous les après-midi sur France 2 et ça cartonne. Elle aussi raconte l'époque. Faustine Bollaert est avec nous ce soir. Son personnage de bourrin attachant explose sur les réseaux sociaux. Il aime la bonne bouffe, les bons vins et les gonzesses. Guillaume Canet l'a même recruté pour son prochain Astérix. On vous présente Chicandier, l'humoriste qui monte. Il n'a pas le job le plus facile du monde. Expliquer l'action du gouvernement sur l'immigration, sur les retraites, sur la fin de vie. On fait passer son grand oral au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Va-t-il laisser les éléments de langage au vestiaire? On l'espère, il est notre invité de minuit. Et puis on reviendra également sur une affaire qui nous a bouleversés il y a 3 ans, le meurtre de la petite Chaïna, 15 ans, brûlée vive à Creil. Elle a surtout été une victime de la rumeur, de la réputation de fille facile dans les quartiers. Le frère de Chaïna et l'avocat de la famille témoignent dans un documentaire édifiant. Ils sont tous les deux dans quelle époque ce soir? Et puis en général, il est sur les zones de guerre, mais là, il a choisi le prétoire. Le grand reporter Guillaume Oda a suivi jour après jour le procès du siècle, le procès des attentats du 13 novembre. Il en a fait un livre fort au titre Choc. Jeune à crever, il est votre invité, Christophe, dans le QMQQ. Et on accueille tout de suite le roi et la princesse de la télévision française, Michel Drucker et Faustine Bollaert. Par là,
c'est aussi un excellent grand reporter et un humoriste talentueux et baron, Guillaume Odaï chez Cambo. Et ben on est content. On est content de vous avoir. Ça va, Michel ? Eh ben ça va très bien. Voyez, on vous a réunis avec Faustine. Vous l'avez fait débuter. C'est ce qu'on se disait. Et ouais, on avait envie de vous revoir ensemble. On en a des souvenirs tous les deux. Oui. Bah, on a quelques trucs à vous montrer, mais ça c'est tout à l'heure. Et puis on a cherché, quand on cherche dans nos archives sur Michel Drucker, on en a pour l'année en fait. Ouais, c'est sûr. Et voilà ce qu'on a trouvé. Regardez ce truc là. Ah, c'est drôle. Ah ouais. Ah ouais. À 3 ans. Télépoche, avril 91. Il y a quelques années. 1891. Oh, écoute, Christophe, c'est formidable, non ? Ah oui, oui, bah oui. Et tu n'as pas changé ? Non. Mais toi non plus. C'est émouvant, ça, hein, quand même. Vous aviez déjà envie de faire rire, Étoile du rire ? Je sais pas, mais en tout cas, je me suis marré beaucoup plus qu'on l'imagine dans les coulisses de ce métier, jusqu'au jour où on m'a dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas sur scène ? Et vous êtes venu me voir. Et je suis venu vous voir. Et là, ça, c'est quand même le roi de la promo, le mec. Hein. Ça, c'est professionnel. Professionnel. Hein. C'est-à-dire que tu lances une anecdote. Il en a rien à foutre. Un souvenir. Ah, mais comme il y a l'autre, on s'en balait. On s'en balait. Et il y va. Alors, oui, alors justement. Alors, Michelin, justement. Professionnel, et Michel. Et professionnel. Et j'aurais pu ajouter. Au petit Marigny, tous les samedis, tous les dimanches. Oui, oui, mais alors là, vraiment, tu nous prends pour des buses, alors. Parce qu'on y serait venus. Michel, vous m'avez stupéfaite avec votre spectacle. C'est vrai que vous avez insisté, vous avez dit, je voulais vous inviter. Et vous m'avez dit, je viens, mais il faut venir voir le spectacle d'abord. Oui. Et vous avez eu raison. Vous avez eu raison parce que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. D'abord, j'avais peur de vous voir diminuer après vos mois d'hospitalisation. Vous pétez la forme, j'ai dit à Christophe, il nous... Sans parler. C'est nul. Vous êtes hyper en forme. Et puis alors, vous êtes allé le voir ou pas encore ? Pas encore, mais Faustine, non. Il est cool. Peut-être vous le connaissez mieux que moi, mais il est cool. Ah, moi, j'étais pas prête au Nike montante blanche. J'ai fait la même réflexion. Au t-shirt moulant. Au petit. Vous êtes hyper looké, en forme. Mais... Il est looké. Et on est deux. Et vous êtes. Attendez, on y va y venir. Et puis surtout, le plus étonnant, c'est que vous vous lâchez. Oui. C'est-à-dire, moi, j'étais pas prête à voir Michel Drucker méchant, caustique, drôle, mais aussi un peu méchant. Ah, méchant, non. Ben, je crois pas. Un peu... Vous y allez, quoi. Caustique. En tout cas, vous êtes sans filtre. On vous sent libéré. C'est ça, la scène. C'est le bonheur d'être sur scène. On peut dire des choses sur scène qu'on dit pas à la télévision. Mais c'est vrai que j'avais envie, parce que tous mes copains savent qu'en famille, l'été, après un bon déjeuner, même si je bois pas beaucoup, j'aime faire rire. Mais c'est pas à vous que je vais dire que le nombre d'humoristes qui ont défilé sur mon plateau, le dernier en date, car c'est votre ami Philippe Carrière, on a passé des années ensemble avec Canteloup, avec Laurent Gérard. J'ai vu 3 générations d'humoristes débarquer sur mon plateau. Et à chaque fois, il me disait, mais pourquoi tu vas pas sur scène? Tu sais que t'es très drôle. J'ai dit, oui, mais je suis drôle en famille. Et vraiment, moi, je vais vous dire honnêtement, je savais que vous étiez un très bon animateur, le roi, je disais l'empereur de la télé, etc. Mais je pensais pas que vous étiez drôle, Michel. Eh bien, vous savez... C'était pas... Je sais pas comment vous devez le prendre. C'était pas évident. C'était ça vous a foutu un cul. Eh bien, c'est moi... Et Léa... Mais c'est vrai. Vous êtes seul en scène, mais pas complètement. Non. Puisque vous êtes accompagné d'un Michel Drucker jeune. Jeune, oui. Qui a 30 ans. Oui. Avec qui vous discutez, on va le voir dans un instant. Et vous précisez à la fin du spectacle, c'est ni un hologramme, ni des images d'archives. C'est pas du morphing comme Nicolas Canteloup sur TF1. Mais c'est qui alors cette personne avec qui vous discutez qui a 30 deviner. Ans Tout le monde me dit, mais... Alors attendez, on va le dire. On va regarder les images du spectacle et après vous allez me dire qui est cette personne. D'accord. Est-ce que tu te souviens de tes ratés ? Du magnifique d'Orlaville. Orlaville est vraiment le meilleur de l'équipe. Sauf qu'il jouait pas. Il baisse la glace comme ça, il hurle. Je vous interdis de me reconnaître. 4h du matin, drin-drin. Oh Michel, c'est Johnny. Johnny, j'ai Johnny Hallyday, comme s'il y en avait deux. Qu'est-ce que tu ferais si je dors? Tu dors tout le temps. Le petit gars, 10 ans de télé, il se la pète déjà. Alors un nouvel humour arrivé, déferlé sur la France. Le bonheur, c'est simple, comme un coup de pine.
Je suis ta mère. 40 ans après, la rose du Parti Socialiste, elle a pris un petit coup derrière les pétales. Hein. Ma femme Josiane, il n'y en a que pour toi. De regard par-ci, de regard par-là, vivement dimanche. Vivement que tu te casses, oui. Voilà. Qui est cette personne? Qui est... C'est quoi? Franchement, moi, j'ai passé le spectacle à me demander qui est ce jeune hologramme de, qui est Drucker jeune à 30 ans? C'est pas un hologramme, c'est pas du morphing, c'est pas des images de moi d'il y a 50 ans doublées. Alors? Ah ben, il faudra demander à ma fille qui m'a mis en scène, Stéphanie Jarre. Elle a voulu me retrouver. Vous voulez pas le dire, en fait? Ah non. Ah, alors, tu veux pas le dire? Non, elle veut pas le dire. Enfin. Alors, ma fille voulait me retrouver à l'âge qu'elle avait quand je l'ai connue. Elle avait 5 ans, elle en a 50 de plus, c'est-à-dire comme ma fille. Ouais. C'est elle qui m'a mis en scène. Qui est d'ailleurs une mise en scène très moderne. Voilà, c'est elle qui m'a dit voilà ma fille. Elle m'a dit, je veux te retrouver à 30 ans et que le môme de 30 ans interroge toi aujourd'hui en disant, raconte-moi ce qui va m'arriver. Donc vous n'allez pas nous dire ce soir comment vous avez fait? Enfin, je laisse le public. Il ne veut pas le dire. Enfin, excusez-moi, vous m'épatez quand même. C'est lui, simplement, c'est lui. Avec alors des... ça, c'est la théorie de Christophe. Christophe pense que c'est vous qui... Évidemment que c'est toi. Bah, dis donc. Et il faut laisser le public deviner. Ah, ça, c'est autre chose. Mais donc, c'est vous aujourd'hui? Ben oui. C'est moi, les deux. Ben ah, oui, mais pourquoi vous le dites? Mais non, on ne saura pas. Mais non, il vient de l'émission. Enfin. C'est lui, marié. Mais enfin. Non, mais vous me regardez comme... J'ai l'impression de voir Carmet et Louis de Funès dans la soupe aux choux. Vous êtes entend... à un moment donné. Je vous entends très bien, moi. Mais... Alors, Léa... Vous verrez si on garde ou pas, parce que... Il faudrait quand même que les gens devinent. De toute façon, même les gens, quand ils me voient, ils se disent... Mais parce que moi, j'y crois pas, hein, votre histoire. Parce que vous êtes... Pardon de vous dire, je veux pas vous offenser, enfin, mais vraiment... Regarde. Vous êtes jeune, jeune. Ben, ouais. À droite aussi. En tout cas, grâce à vous, Michel. Et c'est le vrai bon conseil du spectacle que je vous donne, que je vous livre, que Michel nous livre gratuitement à nous tous, qui parfois recevons un acteur, un chanteur, un comédien, un metteur en scène, un écrivain dont on n'a pas aimé la pièce, le livre ou le film. Et grâce comment à vous, pas le blesser, je sais ce qu'il faut dire ensuite, où on est là pendant tout le film. Alors, à dire, qu'est-ce que je vais dire? C'est une grosse daube, qu'est-ce que je vais lui dire? Dire qu'il y a une belle lumière. Non. Écoutez Michel, c'est Pierre Desproges qui lui a donné l'info. On va voir un film tous les deux ensemble. Et voilà, et on ne savait pas que le metteur en scène nous attendait à la sortie de la salle. Et c'était le metteur en scène le moins modeste du métier, hein, je ne citerai pas. Mais très sûr de lui. On voit une daube, mais un film nul. Mais une cata, le film le plus nul que j'ai jamais vu. J'ai dit, Pierre, le metteur en scène arrive, qu'est-ce qu'on dit? T'inquiète pas. Et le metteur en scène, je vais vous le faire. Ça y est. Là. Oui, comme ça, je t'aime. Je ne sais pas si votre réalisateur qui s'appelle Pascal Rétif, oui, est-ce qu'il peut me cadrer? Il veut que j'aille là, là? Il fait du stand-up maintenant, hein, Michel. Non, mais ça y est. Non, mais il est parti pour le spectacle. Ah, ouais, non, voilà, alors, le spectacle. Et alors, le metteur en scène, à la sortie de la salle, le metteur en scène. Alors, hein? C'est du stylage, ça? Hein? Et nous, on le regarde. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit, Desproges? Et Pierre Desproges, il dit, t'as un univers. Ah, c'est bien, ça! T'as un univers. Et j'ajoute maintenant, et le metteur en scène nous dit, hein, c'est un univers. Et Pierre lui dit, écoute, on a eu une nouvelle vague, il y a eu la nouvelle vague, ça c'est vraiment la dernière vague. Quelle vague! Et moi j'ajoute, c'est même une déferlante. Bon, et le mec nous dit, hein, vous ne trouvez pas qu'il y a un côté en plus art et essai? Et Pierre dit, oui, surtout essai. Imaginez. Et bien alors, Léa, le film est sorti. Une catastrophe, le bide de l'année. Oui, mais je vous ai personne dans les après salles. Vous me disiez qui était le metteur en scène, qui était le film. Ah non, je vous dis pas. Vous avez pas dit. Il va peut-être se reconnaître. Non, puisqu'il n'est pas modeste. Mais il n'est pas décédé. Il est en lâchage total. Hein. Je vous dis, j'adore. Christine, qui vous connaît bien, dit, alors, vous êtes en lâchage total. Moi, c'est ça qui m'a surpris, franchement, Michel. On ne s'attend pas à vous voir en lâchage total. Mais oui, mais c'est la dérision à l'autre. On a l'impression que vous n'avez plus rien à foutre de tout. Mais vous y allez un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais attendez, après ce que je viens de vivre, chaque jour est un cadeau de la vie. Vive la vie, hein, vive la vie, vive demain, vive mon dimanche. et la dernière phrase, c'est bon. Hein. Après avoir rendu hommage à ma manière à Johnny, la dernière phrase m'a été soufflée par Lelouch et Saint-Augustin et Victor Hugo. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Donc j'en ai plus rien à foutre de rien. Vous parlez de Johnny? Oui. Johnny, alors c'est un spectacle
où vous célébrez vos morts. Il y a Yves Montand, il y a Charles Aznavour, Jeanne Moreau, tous ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez moins aimés aussi, mais qui ont marqué l'époque. C'est aussi touchant. Il n'y a pas que le lâchage de Michel Drucker, il y a aussi des moments touchants. Et Johnny. Alors Johnny, moi, je vous ai entendu déjà raconter 1000 anecdotes sur Johnny, mais il y en avait une que je ne connaissais pas, que vous livrez dans le spectacle. C'est sa passion yaourt. Ouais, j'adore les yaourts. Alors, Johnny me disait toujours, t'es pas marrant, tu viens jamais dîner à la maison, quand est-ce que tu viens? Ma famille, ma belle famille t'aime beaucoup. C'est les boudous. Je dis boudou, c'est pas dans la poche avec Johnny. Ça a donné les budus, bien sûr. Alors il me dit, viens, viens samedi. Alors je viens samedi. Déjeuner interminable. J'avais plus de sujet de conversation parce que Johnny dormait à table. Et à la fin, au bout d'un déjeuner interminable où j'avais fait le tour des budus, la belle famille Budu, Madame Budu, Madame Budu. Et à la fin, je sais pas ce qu'il me prend, je lui dis, qu'est-ce qu'ils sont bons, tes yaourts. Et alors là, ça m'a amené. Ça n'avait aucun intérêt. Et alors là, elle me dit, tout le monde me le dit. Tu as bien fait de me dire, ce sont des yaourts qui viennent de Kstatt, la Suisse. J'ai des yaourts à la fraise, à la framboise, à la pomme. Des bio, des sucrés, des salés. Un cours sur les yaourts. Finalement, après 4 heures de déjeuner, je rentre chez moi. Il m'accompagne à ma voiture. Il me dit, j'ai pensé de faire plaisir à Danique, parce que ma femme l'a connue avant moi. Je t'ai mis une caisse de yaourt. Et là, ça m'a amené. Et là, ça m'a amené à des sommets. 2 mois après, vivement dimanche, il est content, un nouvel album, le film, tous ses copains sont là, Jean Reno, Lelouch, Eddie Mitchell. Et puis, on voit ses films, la lumière se baisse, etc. Et là, subitement, alors qu'on regarde un extrait de son nouveau clip, il me dit sérieusement, arrête ça tout de suite, viens dans ma loge, je vais te parler. La lumière s'allume, je bidonne, je dis, écoutez, on a un petit problème technique. Direction, il ferme la porte de la loge, il me dit, écoute-moi bien, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup depuis beaucoup de temps et je m'aperçois, mon petit Michel, que je n'ai jamais fait de cadeau. Alors, je t'ai apporté des yaourts. Et là, il me dit, Johnny, on a encore 1 heure d'émission. Il y a plein de copains à toi qui t'attendent. Non, mais c'est tout de suite. Et il y avait ma caisse de yaourts dans sa loge. Gudzan, hein, ça va te donner un cul de fouet. La suite, vous le verrez sur scène. Ça donne envie, non? Alors, dans ce spectacle, vous mettez aussi vos moments cultes et vos moments d'immense gênance. Alors moi, j'avais complètement oublié ce moment-là. Paul Hogan, premier rôle de Crocodile Dundee, vous vous souvenez? Oui. Interviewé est un grand mot, par Michel Drucker. Paul Hogan vient en France pratiquement pour la première fois. Il a choisi Champs-Élysées, alors on le remercie vraiment. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Quand Mike Crocodile Dundee arrive à New York, on a l'impression qu'il arrive sur une autre planète. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé quand vous êtes venu, vous, d'Australie pour la première fois aux États-Unis et à New York en particulier? Dites-moi, vous vous entamponnez complètement le dessin. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme question pour vous intéresser? Gros décalage horaire. Il arrivait d'Australie, c'est pas la porte à côté, en plein jet lag, pour faire la tournée de cette Indiana Jones à l'australienne, qui est un succès mondial. Il était crevé. C'est la première fois que j'interviewe un mec aussi fatigué. Vous avez vu le résultat. Il a dormi 12 minutes. Et au bout de 12 minutes, il m'a dit « Thank you ». Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Paul Hogan. C'est notre moment de gloire. Paul de Saint-Sernin. C'est fou, depuis tout à l'heure, on assiste en fait en direct à la naissance d'un artiste. Quoi. C'est un one-man show, c'est un stand-upper. Moi, c'est pas pour me la péter, mais j'ai une petite expérience de la scène maintenant, Michel. Et je me suis toujours dit que ça me ferait plaisir de lancer un petit jeune qui débute. Donc si tu veux faire ma première partie, n'hésite pas. Avec plaisir. Michel, vous racontez encore plein de trucs. Il faut aller vous voir. Vous parlez de votre public. Moi, il y a des anecdotes que vous racontez sur votre public, et notamment cette femme qui débarque en bas de chez vous. Madame Matisse, qui débarque un jour dans sa voiture avec ses enfants, ses valises, qui sonne chez vous et qui vous dit « Je viens habiter avec toi, je t'aime ». Elle m'écrivait depuis des années, on se voit tous. Et je sais que tu m'aimes. Et elle avait une... Alors, je dis sur scène, Madame Matisse, qu'elle avait un lien avec le peintre Matisse. Non, elle ne rentrait pas dans le tableau. Elle était toute en hauteur, toute en largeur. Et elle était, c'est la vérité, moulée dans une robe du soir fendue jusqu'à la hanche, avec une coiffure sur 3 étages, une pièce montée.
La robe était verte et elle avait un bustier vert également. Le vert est la couleur qui porte la poisse dans notre métier. Et elle avait un bustier là qui laissait apparaître, comment dirais-je, une présence pulmonaire débordante. Voilà. Non, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est votre femme. Votre femme qui vous dit, maintenant, tu te démerdes avec, ça, avec ma matrice. Et pour la remercier, tu l'as même pas mis un petit coup dans la frisette, rien. Non. Je n'ai jamais donné des petits coups à la frisette. Des gros, peut-être. Bon, des gros, merci. Pardon. Moi, je voudrais... Michel, mais des gros coups à la frisette. Okay, attends. Donc, ce soir, on a le lâchage de Michel Drucker et le lâchage de Faustine Bollard. Voilà, tout va bien. Moi, je voudrais juste la réponse de Johnny, parce que en fait la vie de Michel, c'est quoi, à part, on va mettre le boulot en dehors, jamais d'excès, pas d'alcool, pas de fête, du sport dose, des endives en cajot, et des coquillettes, des yaourts, et Johnny c'est le contraire de vous, Christophe. Il est venu passer la journée avec moi en Provence l'année dernière. Il a vu que j'ai un régime de spartiate, c'est vrai. Et Johnny, Je me suis fait chier. Non, je déconne. Johnny, quand il se démaquillait dans ma loge, il me disait toujours comment ça se fait qu'on n'a pas tout à fait la même tête alors qu'on a pratiquement tout à fait le même âge. Hein, toi, tu fais pas encore tout à fait vieux, et moi, je ne fais plus du tout jeune. Quel est ton secret? Et à chaque fois, je dis, Johnny, écoute, tu le sais, on se connaît depuis tant d'années. Je ne bois pas, je ne fume pas, je vois les médecins, je nage, je rame, je pédale, je me couche tôt, j'ai la même femme depuis 50 ans. Et à chaque fois, il disait, quelle vie de con. Alors justement, Michel, question courte, réponse courte. C'est quoi le secret de Michel Drucker pour croire en soi quand on a été déclaré inapte à toute activité intellectuelle dans sa jeunesse par un psy, ce qui vous est arrivé? Ben oui, absolument. Et comment on croit en soi? Il faut dire que j'étais coincé entre un énarque, un futur interne des hôpitaux, professeur de santé publique, et moi, j'étais le cancre. Et comment on s'en sort quand même? On se dit, le train Paris-Grandville qui passait devant chez moi, dans la même ville où est né d'ailleurs Dominique Bestella, j'ai dit, je monterai dans ce train un jour. Je vais me barrer et je reviendrai dans cette ville voir le tribunal de la famille si j'ai prouvé quelque chose. Réponse courte, Michel. Le secret de Michel Drucker pour résister à la tentation de l'argent quand un patron de chaîne comme Berlusconi vous propose une Ferrari, un contrat à 100 millions, un manteau de fourrure pour sa femme, ce qui vous est arrivé? Eh bien, renseigné. Mmh. Ben, on pense à sa mère, qui change les serrures si j'y vais. Et quand Berlusconi m'a appelé, parce que j'ai passé quelques jours avec lui en Italie, il m'a proposé un contrat hallucinant, mon frère Jean, je pense beaucoup à lui, toujours. Ben, on dînait chez ma mère, le fameux dîner du dimanche soir. J'arrivais d'Italie avec un contrat hallucinant. Et mon frère Jean m'a dit, tu vas signer ça? Tu vas signer ça? À voix basse pour pas que maman écoute, pendant qu'elle faisait le caviar d'aubergine. Et il m'a dit, mais dis-moi, pour ce prix-là, tu vas faire quoi? Et comme mon frère était nommé patron de la chaîne, je lui ai dit, Silvio, t'es italien, t'as le sens de la famille. Mon frère va être nommé patron de France 2, il n'avait pas question. Et il a dit, combien vaut ton frère? Ah. C'est quoi le secret de Michel Drucker pour rester avec la même femme pendant 50 ans? Se dire qu'on a choisi la bonne femme, si j'ose dire, voilà. Et se dire qu'il vaut mieux, pour faire ce métier, être à deux. Et j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle avait connu ce métier avant moi et tous ses dangers. Quel est le secret de Michel Drucker pour vieillir sans virer réac ou vieux con? Rencontrer les jeunes de plus en plus. Et Sardou. Et apprendre à kiffer. et apprendre à kiffer. Et donc j'ai appris à kiffer. Dès que je vois des rappeurs, je kiffe. Bon. Je kiffe trois fois par jour. C'est quoi le secret de Michel Drucker pour dompter sa peur de la mort? Faire du sport et se dire, ce que je me suis dit à l'hôpital et dans le spectacle, il y a peut-être un après. Rapidement, je vais vous montrer des photos des animateurs d'aujourd'hui. Quel conseil en eux? Un petit conseil que vous leur donneriez pour durer ou pour s'améliorer? Et très court, bien sûr, comme toujours. Et oui. Très court, bien sûr, comme ben toujours. Vous n'êtes pas sorti l'auberge. Minutes, on est parti. On commence par ce jeune homme de TF1, Camille Combal. Ah. Alors Camille, toutes les semaines, c'est le hasard. Je croise ta femme qui est ravissante. Un conseil, garde-la, Marie, c'est une femme exceptionnelle. Yann Barthès. C'est une question, normalement. Alors, un conseil, gardez sa femme. Alors, on y va. Oh, Yann Barthès, évite de penser à Cyril Hanouna avant de dormir, ça ne change rien. Ben justement. Cyril Hanouna. Évite de penser à Yann Barthès, ça ne sert à rien. Quel conseil
conseil vous donneriez à Marie Drucker? Le conseil que lui donnait ma maman, sa grand-mère, mange bien et ne prends pas froid. C'est mignon. Un conseil à Laurent Delahousse. Enlève tes doigts de la prise. Tu devrais plus souvent venir dîner, déjeuner à la maison comme on l'a fait une fois, parce que ma femme te réclame. Mmh. Ah, ah bah moi je pue du cul alors. Un conseil à Faustine Bollaert. Quand est-ce que tu déménages pour te rapprocher de Paris? Tu habites trop loin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ton mari, Maxime Chatham, il peut très bien écrire ses livres moins loin que Paris, non? Oui, c'est vrai. C'est bien qu'on en parle maintenant, oui. C'est l'actualité. C'est le moment. Rapproche-toi de Paris. Okay, je Allez, deux derniers. Christophe de Chavannes, un petit jeune qui commence. Alors, Christophe, oui. Je sais que tu fais partie des animateurs qui se sont réjouis quand tu as su que j'étais très malade. Manque de bol, j'ai vu... Bien sûr. Non, mais on se connaît assez. Oui, mais attends, parce qu'il y a des gens qui vont le croire. Hein. Non. Non, mais je suis même allé te mettre une bougie. Hein. Et manque de bol, Christophe, j'ai vu mes cardio, ils m'ont tout fait à neuf. Attends encore, allez, 10 ans. Oui. Mais je trouve que Léa a une petite mine. Elle trouve un peu fatiguée. Je crève, moi. Non. Ah non, mais non. Mais pourquoi tu m'as dit dans la loge quand est-ce qu'elle se casse la gueule dans l'escalier? Tu devrais faire du stand-up. Allez, le dernier conseil à moi, Michel. Quel conseil vous me donneriez? Éloigne-toi de Paris. Non. Prends une année sabbatique. Prends une année sabbatique. Levez-vous un petit peu plus tard. Ah, j'aimerais bien. Bah, ça, c'est pour la matinale. Voilà, exactement. Bon, bah, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non, mais attendez, je suis très heureuse à France Inter et j'embrasse Nicolas Demorand. Oui, je suis d'accord, mais levez-vous un peu plus tard parce que la matinale, c'est usant. Et puis, vous allez perdre votre mari. Avocat. Enfin, bah, une femme qui se lève à 4h du matin, c'est pas raisonnable. Bah non, au contraire, il se lève tranquille. Non, mais je vous ai dit, oui, complètement en freestyle. C'est fini. Donc voilà, vous venez près de Paris et moi je perds mon mari, tout va bien. Mais non, c'est optimiste. Allez, en tout cas, c'est optimiste. Vous avez pas envie de vous réveiller un peu plus tard? Non. Michel. Non, elle a envie d'être fatiguée. De vous à moi au Théâtre Marigny, les samedis et les dimanches jusqu'au 31 décembre. Évidemment, vivement dimanche, le dimanche à 13h30 sur France 3. Voilà, je crois que vous avez vu Michel Drucker comme vous ne l'aviez jamais vu. Merci Michel. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme, Jason Chicandier? J'ai entendu parler de lui. Je sais beaucoup de choses sur lui et il ne sait même pas que je sais. Oui, parce que vous avez des fiches sur tout le monde. Non, mais je sais. Je sais parce qu'il a grandi à Bron. Oh, comme Karim Benzema. Oh, bravo. Voilà. Vous avez bossé, en fait. Comme Karim Benzema. Ouais. Ensuite, il est allé à Saint-Etienne. Ouais. Et surtout, ce qui m'amuse, vous êtes un peu rablaisien, j'allais dire bigardien. Oui, c'est vrai. Vous êtes un peu un cousin de Bigard. Ah oui, totalement, j'ai fait ses premières parties avec... Et Laurent Germain m'a parlé de vous parce que vous avez un bon coup de fourchette. Ouais. Et la bouffe est très importante. Ah oui. Alors, moi je suis l'anti-Michel Drucker, si je dois dire. Michel Drucker, c'est la durée... moi, je l'ai vu tout à l'heure en loge, il a un petit fion de poussin, c'est magnifique, honnêtement. Oh, on le voit de dos, mais même de dos, c'est beau. On voit qu'il y a le vélo, on sent la pédale et tout. Non, tu peux pas dire du même homme. Tu peux pas dire du même homme qu'il a un fion de poussin et qu'il y en a sur la pédale. C'est pas possible. C'est la première fois qu'on me dit que j'ai un petit fion. Ah, fion de poussin. On fait des archives. C'est pas possible. Mais là, non, mais c'est vrai. Moi, je vais pas durer. Moi, je suis très court. Moi, c'est une période très courte. Oui, la vie. Mais, ouais, la vie en général, voilà. Mais c'est la durée, mais c'est les gâteaux, la durée. Ouais, moi, c'est les gâteaux, exactement. Jason Chicandier, moi, je vous connaissais pas. D'accord. Mais ça fait 2 mois que mon producteur, Régis, me bassine avec vous en me disant toutes les semaines, il faut inviter Chicandier. Je comprenais pas pourquoi il avait une passion pour vous. Et puis j'ai vu vos vidéos, effectivement, vous aimez le bon vin, la bonne viande, la bonne bouffe de manière générale, les gonzesses. Ouais. Et j'ai compris pourquoi mon producteur vous aime beaucoup. D'ailleurs, c'est votre cible, c'est les hommes de 30 à 60 ans, ouais, c'est ça? En fait, qui aiment manger gras. Alors, je dois déjà saluer mon partenaire Christophe de Chavannes, qui est le premier à m'avoir fait découvrir sur les réseaux sociaux, parce que c'est le premier qui a partagé ma vidéo sur Twitter. Et c'est ce qui a fait le buzz. Et donc, je le remercie. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie. Vraiment. J'ai rien demandé. Hein. Et en fait, j'ai un côté libertaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait... Vous n'êtes pas trop dans l'air du temps. Non. Hein.
Pompidou disait arrêtez de faire chier les Français. Je trouve que c'est déjà compliqué de vivre en France. Et ben donc du coup je dis il faut picoler, il faut s'en mettre à la gueule. Et à un moment donné bon bah voilà. Alors quand j'ai, c'est quand pas j'ai... le meilleur ami de Sandrine quand, Rousseau. Quand j'ai, non, on n'est pas sur. Quand j'ai retweeté le premier, c'était pas à ce point-là. Il assume plus. Ouais. En tout cas, ça cartonne, 800 000 abonnés sur tous vos réseaux sociaux. Regardez Faustine, c'est lui. Salut mes petits foies de veau. Putain, ta gueule. Putain. On l'a dit que le vendredi c'était bleu métal. On crache, on vomit, on pète. Et on pleure du bain, connard. Bam. Dague. Bam. Aujourd'hui on a un Noël des copains. Oh c'est génial, on en a 17 au mois de décembre. Jamais. C'est la meilleure invention du monde ça, le Noël des copains. Avec le Cialis et le ramasse-boule à la pétanque. Ça va être génial. Alors bien sûr hein, on dit non mais c'est pour les enfants, on leur fait des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des gosses. On les emmerde. De toute façon tu leur files un cadeau, ils jouent avec l'emballage. Je suis là pour vous parler d'un fléau, oui d'un fléau. Les fêtes de l'école. C'est-à-dire qu'on prend des gamins, on leur met du PQ autour du bras. Ils connaissent pas la chorégraphie, ils chialent. Et là t'entends tourner autour de la... Non. Vous avez répété pour ça? Pour cette merde? Vraiment? C'est ça mon analyse. C'est ça mon analyse. C'est ça mon analyse. Vous venez bien, hein? Mais c'est frais, c'est léger. C'est frais, mais alors, rien. Mais tu sais, je peux dire une chose. Ouais. Qu'est-ce que tu foutais à faire des études de notaire? Ah non, mais moi, c'est l'inverse. Il a le diplôme. Mais... Ouais. Il est notaire. Ah non, mais on va raconter sa vie. Non, parce que vous avez les fiches sur tout le monde. Je sais, vous avez... Il a planché depuis ce matin. Il a planché depuis ce matin. Il se chicane. Après ce qu'on vient d'entendre, c'est bizarre. Alors, pour être très clair, on raconte deux secondes, on raconte votre vie. Avant d'être Jason Chicandier, vous êtes Laurent Regueraz. On peut m'appeler Jason, on peut m'appeler Chicandier. Connard, souvent, on m'appelle. En tout cas, connard, vous avez remercié Christine Connard. Elle donne m'appeler connard, quand même. Je sais pas. Cette émission, moi, je ne la tiens plus. Cette émission, je ne la tiens plus. C'est la première fois. Je suis complètement freestyle, moi aussi. Ça marche tellement bien pour vous que Guillaume Canet vous a repéré et que vous allez jouer dans son méga film qui sort, Astérix. Tout à fait. Vous allez jouer quel rôle? Et je fais hors d'alphabet. J'aimerais hors d'alphabet. C'est le poissonnier. Le poissonnier. Bon, et puis vous serez surtout dans votre spectacle, Matin Chantant. Vous passerez Parlement, La Rochelle, Lyon. Vous serez au Grand Point Virgule à Paris à partir du 12 janvier. Avec mon acolyte Matoukan. Mon alcoolyte Matoukan. Mais plus sérieusement. Avant donc d'être Jason Chicandier, vous étiez Laurent Regueraz. Vous avez grandi à Lyon, à Saint-Étienne, dans une famille plutôt bourgeoise. Votre père écoutait l'opéra. Ils ont vu ton spectacle. Oui. Alors un jour. Ils sont sous perfusion. Ah ouais non. Alors un jour, pour tout vous dire, j'ai joué. J'avais repris le admettons de billard parce que moi je suis fan de billard et j'avais repris le admettons de la chauve-souris. Et à un moment c'était admettons ma femme. On se donne un joker cul et je dis le joker cul de ma femme c'est Brad Pitt. C'est-à-dire que si un jour il tape au carreau, il a le droit de lui taper dans la frisette. On peut éviter avec le. C'est qui votre joker cul, Michel? Voilà. C'est qui joker cul, Michel? Michel, joker cul. Non, je suis fasciné par ce que j'entends. Non, mais je voudrais qu'on respecte Michel Drucker quand même un peu, là. Et donc, à un moment donné, je joue ma femme en train de se faire prendre par Brad Pitt. La frisette. Et la frisette, toujours. Et j'ai mon père, ma femme et mes beaux-parents qui sont là. Et là, je dis, c'est un métier bizarre. Voilà. C'est un métier très particulier. Et donc, ce n'était pas votre premier métier, puisque effectivement, vous étiez notaire. Notaire de formation. Juriste, secrétaire général d'une boîte de logements sociaux. Ouais, tout à fait. Vous étiez donc très sérieux. Il n'y avait pas de place à la baguette. Jusqu'au moment où vous diffusez sur vos réseaux sociaux une vidéo qui s'appelle... Enculé de banquier. Et vous vous faites virer... C'est un pléonasme. Non, mais soyons sérieux. Vous vous faites... Mon père est banquier. Oui, je sais. Non, c'est pas vrai. Vous vous faites virer. Oui, alors mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain. À cause de la vidéo, parce qu'on me dit oui, parce que vous êtes secrétaire général, vous tenez le conseil d'administration, c'est la caisse d'épargne qui est derrière. Moi j'ai ma petite mèche d'enculé de droite tranquille. Moi j'ai mes petites pompes, voilà. Et mon petit costard bleu, voilà. J'ai voté Giscard en 74. Quelle époque. Voilà. Et donc à un moment donné, là on me dit il faut partir d'ici, monsieur, voilà, très vite. Et je demande à ma femme, j'ai dit je me suis fait virer, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit elle vous en veut d'abord. Ah oui, elle me dit tu dois être dépressif. Donc tu te dois d'être dépressif. Donc je bouffe du Lexomil et je regarde Netflix, comme 99% des Français maintenant. Et au bout d'une semaine, j'ai fait la vidéo Bleu Métal. Effectivement, une semaine après être dépressif pendant une semaine, vous faites cette vidéo qu'on va voir et bim, d'un coup, 1 million de vues et vous cartonnez. Grâce à Christophe.
Bleu métal. Si on est dans les merdes, c'est à cause du vendredi midi. L'autre jour, je bouffe avec un copain. Je lui dis, bah, tiens, on reprend la deuxième. Toi, c'était une petite quille de pinard. Il me dit, non, j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h. Attends, excuse-moi, Michel. Tu prends des rendez-vous téléphoniques à 14h le vendredi matin? Personne ne doit travailler le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, on est bleu, on dit des conneries, on insulte des gens, on dort aux chiottes, on ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi. On n'est pas des Allemands. Et après, on est bleu. On est métal. C'est ça qu'on sait faire, merde. Et ça commence comme ça, donc, pour vous. Sérieusement. Elle est bonne, celle-là. Et voilà, et ça continue. L'émission s'appelle Quelle époque, oui. Notre émission. Comment vous vous sentez dans l'époque? Alors, moi, j'ai une expression qui dit « et si c'était mieux maintenant ?» C'est-à-dire que j'utilise ce qu'on utilisait à l'époque, c'est-à-dire que moi, je suis fan, évidemment, de Coluche, de Johnny, d'Eddie Mitchell, de Gainsbourg, de... voilà. Et on peut passer des soirées à entendre tous ces chanteurs, à entendre tous ces comiques et à passer les soirées d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les personnages du passé pour vivre aujourd'hui. Moi, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de la morale partout. Ce que Céline appelait la moraline. La moraline m'emmerde, voilà, totalement. Moi, je suis pour le légal, mais pas pour la morale. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes fan, par exemple, de Michel Sardou, qui, chez Laurent Delahousse, la semaine dernière, a dit qu'il en avait ras-le-bol des trottinettes, ouais, et des vélos, qu'il était prêt à se faire Non, mais parce que c'est de la provoque. Le prochain mais... qui brûle un feu rouge. Oui, voilà, il dit le prochain qui brûle un feu rouge, je me le tape. Fait, ouais. Mais bien sûr, c'est réac. Moi, ça me fait rire, parce que je vois un réac, c'est pas... Évidemment, je souhaite qu'il ne... Sardou, réac non, ça saurait. Mais vous êtes réac ou pas? Non. C'est plus non. Moi, je suis beaucoup. Moi, je suis ce qu'on appelle un homme de droite tranquille à la Chirac. Moi, je baise en chaussons, comme on dit. Moi, j'aime bien regarder le tiercé quand je suis en train de taper dans la fenêtre. C'est possible que vous arrêtiez d'en poser. Mais pardon, excuse-moi, Christophe. Excuse-moi, mais c'est ma mère qui l'emploie toujours à Noël. Et Léa, il faut lui présenter Sandrine Rousseau. C'est dommage qu'on ne l'ait pas ce soir. Vous n'aimez pas non plus les codes bourgeois. Non. Que ce soit bien clair, vous dites les écoles privées, les cakes aux olives, le dîner chez Bernard et Martine pour parler SCI et défiscalisation, c'est au-dessus de mes forces. Ouais. Donc en fait, vous êtes vraiment libertaire, c'est ni la gauche ni la droite d'une certaine manière. C'est un peu ce qu'on appelle les anards de droite, quoi. Voilà, bien sûr. Parce que moi, j'ai trop connu. Moi, j'ai connu la droite chabrolienne, des petits milieux bourgeois où on se reçoit avec la vaisselle en porcelaine, le machin, etc. Où on parle effectivement du petit, ah ben tiens, il a repris le cheval, il a repris le machin, on s'en branle. Voilà. Avec les clubs, le Rotary Club. Ah mais tout. Voilà. Ah ben tiens, la petite, elle va nous jouer de la flûte. Non, voilà. Pas la flûte. S'il vous plaît, pas la flûte. Paul de Saint-Sernin. C'est pas vraiment une vanne, j'ai reçu un message pour Chicandier, justement. Est-ce que je le lis ou pas? C'est ça aussi la télé. C'est un peu délicat. C'est un peu perso, j'y vais. Chicandier, ça fait des années que je te supporte, je n'en peux plus, je n'ai plus la force, tu m'as fait trop de mal, toi et moi c'est terminé, adieu, et c'est signé de ton foie. Votre femme, vous la mettez en scène sur les réseaux sociaux, je l'ai vue. Elle fait quoi? On travaille ensemble. Moi, je suis totalement d'accord avec Michel, ce qu'il dit. C'est-à-dire que si il n'y a pas sa femme avec... Moi, j'ai connu tous les humoristes avec qui on a parlé, etc. C'est des divorces. Il faut travailler avec sa femme. Regardez comme elle est belle. C'est une femme merveilleuse. Et avec qui j'ai la chance de travailler. Et on travaille ensemble. Elle vous supporte. C'est une sainte. Alors, elle ne me supporte pas tout le temps. Elle n'a pas le choix. Elle ne me supporte pas tout le temps. Elle peut se casser. Mais quand elle me met trois les os... Comme mon mari. Moi aussi. Je vais perdre mon mari, il n'y a pas de raison. Non, mais Michel m'a dit, tu vas divorcer dans l'année. Bon, ben voilà, c'est des mecs. Bon, après, c'est Nostradamus, mais j'espère en tout cas que ça va rester un petit peu. Comme disait Marielle, on lui mettrait bien un petit coup de chevrotine. Mais bon, bref. Est-ce que... c'est pas possible. Mais en fait, en vrai, c'est Audiard, votre référence, votre vraie référence. C'est Frédéric Dard. Voilà, je vous écoute depuis tout à l'heure. Évidemment. Ouais. Laurent, il est différent de Chicandier. Heureusement. Dans la vraie vie, vous êtes quoi? Plus sympa? Ah, mais moi, je sors les poubelles vulgaire. En chaussons, moins vulgaire. Voilà. Plus moi, à gauche. Je ferme bien ma gueule. Plus à gauche. Il obéit. J'obéis. Je regarde BFM. Voilà. Vous écoutez quand même pas France Inter. Un jour, j'ai même voté Macron, donc c'est compliqué dans ma vie. Ouais. Vous écoutez quand même pas France Inter? Non, j'écoute pas France Inter. C'est compliqué, ça. Ça fait trop. Pour moi, c'est trop. C'est un peu trop. Je suis en train d'écrire mon premier et mon dernier film en 2024. Je ne serai plus sur Internet, je ne serai plus joignable. Vous me retrouverez en string quelque part dans les dom-toms. C'est vrai.
Je vous ressortirai la vidéo quand vous serez toujours là. Non, mais dans deux ans. En fait, j'arrête la scène fin 2023, ça c'est vrai. Et je veux écrire mon film, je ne sais pas si je jouerai dedans ou pas. Et en fait, je crois qu'il y a très peu de possibilités. En... Oh. Mais pourquoi ? Nom de Dieu, mais nom de Dieu. Ah, mais pourquoi vous présentez ? Mais dis-moi, pour financer ton film avec les banquiers, il va falloir que tu rames. Alors, votre spectacle, Matin Chantant, merci Chicandier, de rester avec nous, avec votre complice Mathieu Kahn, bientôt au Mans, à La Rochelle, à Lyon, au Grand Point Virgule à Paris, à partir du 12 janvier prochain. Avant de recevoir Olivier Véran, dans un instant, le porte-parole du gouvernement, avant de parler de votre très beau livre « Jeune à crever », Guillaume Audat, qui raconte de l'intérieur le procès du siècle, le procès du 13 novembre, et avant évidemment de retrouver notre maître à tous, Philippe Cavrivière, on passe à Faustine Bollaert. Il est prêt à dégainer. Ouais, je ne sais pas ce qu'il va dire ce soir. Il me fait un peu peur. Moi, j'ai perdu mon mari. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous réserve. Moi, je dois déménager. J'ai un peu peur. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes l'une des animatrices préférées des Français, Faustine, et c'est mérité. On est très contents de vous recevoir parce que vous racontez la société française. Comme nous, on appelle ça quelle époque. On essaye de raconter l'époque. Vous racontez la société française tous les après-midi sur France 2. Dans Ça commence aujourd'hui. Vous racontez l'époque à travers les thèmes que vous abordez, le viol, l'euthanasie, l'homosexualité. Et c'est un grand succès. C'est la grande émission testimoniale du service public de l'après-midi. Ça fait 6 ans que vous l'avez lancé. Vous avez déjà reçu plus de 4500 témoins. Vous faites plus d'un million de téléspectateurs tous les après-midi, Faustine. Un succès que vous célébrez dans ce livre, publié chez HarperCollins, où vous revenez, c'est le livre de l'émission, où vous revenez sur les témoignages forts, les témoignages marquants de l'émission. On en a choisi un, il y en a plein des témoignages forts. C'est sur la fin de vie. Monique raconte quand elle a accompagné son mari dans son dernier choix de mourir. Moi, j'étais assise vraiment à côté de lui, il me tenait la main. Le médecin nous avait expliqué comment ça se passait. Au moment de l'injection, c'est un petit peu comme si on anesthésie quelqu'un, mais que l'on ne l'intube pas pour recevoir de l'oxygène. Donc, la respiration s'arrête d'un coup. Mais lui, de toute façon, est endormi. Oui, c'est ça. Donc, au moment, à ce moment-là, le médecin lui a dit « Vous êtes prêt ?» Il a dit « Je suis prêt. » Et alors, il a dit « Au revoir tout le monde, je vous aime beaucoup. » Et à ce moment-là, on a tous crié au moment de l'injection. On t'aime, on t'aime, on t'aime, Jean-Loup, papa, voilà. Il est vraiment parti avec énormément, énormément d'amour autour de lui. Quelque chose de très, très dur à vivre, mais quelque chose de très, très beau, vraiment. C'est fort. C'est fort et ça ouvre beaucoup de questions, ça ouvre à réflexion en fait. C'est ça la mission de cette émission, c'est-à-dire que, de Ça commence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens ce qu'il faut penser, on n'éditorialise pas. En revanche, on apporte une parole, un témoignage qui va ouvrir des réflexions et des débats à la maison. Vous êtes un peu la psy des Français, ça vous va ? Non, confidente, j'aime bien. Psy, j'ai absolument pas les compétences pour ça. J'ai des experts sur le plateau qui le font, mais je suis l'oreille plutôt, j'espère. C'est vrai que vous avez plus de facilité pour avoir des témoignages de femmes que d'hommes. Les hommes ont plus du mal à parler. Ils ont moins accès à leurs émotions, mais je pense qu'il y a par contre il y a beaucoup d'hommes qui regardent cette émission. Et je pense que c'est un peu comme on glisse un peu une oreille pendant un dîner de femmes, on est un peu complice comme ça, on a envie de savoir. Après, c'est sûr que les hommes ont... Aujourd'hui, je vois la différence. Il y a quelques jours, j'ai reçu des hommes qui ont une pathologie un peu honteuse, donc qui peut toucher leur sexe. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde. Michel, pardon. Faustine, on avait dit pas de souvenirs personnels. Non, mais il y a des années, c'est vrai, quand j'ai commencé l'émission, je trouvais qu'il venait pas, quoi. Et enfin, c'était compliqué. Pardon. Oui. Non, mais pas de quoi. Qu'est-ce qui venait pas? Non, j'ai trouvé que les hommes avaient plus de difficultés à parler. C'est pas facile pour un homme de venir à la télé et dire j'ai un tout petit kiki. Eh ben, si, ils venaient. En fait, aujourd'hui, ils viennent pour j'ai un micro pénis. Non, pas cet exemple-là précisément, Christophe. Mais ils peuvent raconter leur stérilité, ils peuvent raconter leurs problèmes d'érection, ils peuvent parler. Alors pas que de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils osent montrer leur fragilité. Et de plus en plus. Et quand vous dites qu'on observe la société, là, vraiment, je trouve qu'on le voit clairement, que les choses bougent dans ce sens-là. Moi, en tout cas, je suis très, très contente de vous recevoir, Faustine. Je ne vous connaissais pas. Je ne vous connaissais pas, mais un jour, il y a 4 ou 5 ans, vous m'aviez interviewé, vous étiez sur France Bleu. Et j'avais été extrêmement surprise de la manière où vous trouviez immédiatement ce qui fait mal.
vous aviez, non mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que vous chopiez immédiatement les douleurs, les souffrances que j'aurais pu avoir, vous les mettiez en lumière, mais avec de la douceur, avec une manière qui n'était pas agressive, mais vous chopiez le truc. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, parce que j'avais fait pas mal d'interviews, et je me suis dit, tiens, je ne vous connaissais pas, je me suis dit, cette fille, elle a un œil, un truc où elle te chope tout de suite, elle te loupe pas, mais avec douceur. Merci, c'est un joli compliment. Moi, j'ai l'impression que je les ressens profondément, les gens. Il y a une chanson de Ben Mazoué qui dit ça. Je me suis toujours dit, c'est un peu étrange. Quand je suis en face de quelqu'un, je sens tout de suite si elle va bien, va pas bien. Et c'est vrai que j'écoute. Donc, en effet, même au ton de voix, à l'intonation, aux yeux qui se baissent, je suis très réceptive à ça. Et justement, c'est là où je vais creuser. Ouais. Mais comment vous faites pour ne pas être impactée vous-même ? Je suis impactée. Bien sûr. Vous allez voir un psy, vous allez faire comment ? J'ai un psy, bon, comme tout le monde, hein, mais enfin pas comme tout le monde, mais en tout cas comme beaucoup de gens de notre métier. Et comme devrait avoir plus de gens exactement, encore. Exactement, et je pense que j'ai besoin d'être épaulée, parce que moi, dans cette émission, les gens n'ont rien à faire de savoir comment je reçois ces informations. Moi, il y a des choses qui font écho à ma propre vie, mais je ne vais pas arrêter les gens en disant « Ah bah oui, moi aussi, ma fille, je m'inquiète pour ça, tout le monde s'en fiche. » Donc forcément, j'ai besoin derrière d'aller me raconter un petit peu pour me libérer et pour exorciser certaines choses. Frédéric Lopez, il avait dit « À un moment, je ne peux plus, j'y arrive plus, j'ai besoin d'arrêter, de faire une pause parce que ça m'impacte trop, ça pourrait vous arriver ? Bien sûr, ça m'impacte et je pense qu'il faut vraiment une discipline de sportif pour justement être en communion totale avec mes invités quand je suis avec eux, mais il faut en sortir derrière. C'est peut-être ce que je ne faisais pas la première année où je m'apercevais que je gardais énormément de contacts avec les gens sur les réseaux, je voulais avoir le résultat de l'examen de santé, est-ce qu'elle est tombée enceinte ou pas. Et là, vous ne le faites plus, par exemple ? Si, je le fais, mais plutôt ils viennent à moi, mais c'est vrai que par exemple, une fois que j'ai eu une émission qui m'a beaucoup bouleversée, je reviens dans ma loge et j'ai un besoin d'une cassure assez franche. Et comment, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Ah non, mais des choses extrêmement terre à terre, c'est-à-dire que je peux appeler pour prendre un rendez-vous pour le dentiste pour mon fils, je peux m'acheter une fringue sur internet, j'ai beaucoup de cynisme aussi dans ma loge, j'ai besoin de mettre à distance ce que je viens d'entendre. C'est vraiment disciplinaire, c'est nécessaire. Vous, si vous étiez une invitée de Ça commence aujourd'hui, ce serait quoi le thème de l'émission ? Petit 1. Oh la vache. Je suis mariée à un écrivain, mais il n'est pas chiant. C'est drôle. Petit 2, je suis cyclothymique, mais je me soigne. Petit 3, je suis une girl next door, mais je le vis bien. Petit 4, j'assume toujours pas mon âge, mais je progresse. En fait, tout, hein, c'est ça qui est embêtant, c'est que je peux témoigner sur à peu près toutes les émissions. J'aurais beaucoup de mal, vous savez, avant de venir ici, on se le disait avec Michel, on est beaucoup plus à l'aise à poser des questions qu'on nous en pose. Donc c'est beaucoup plus stressant pour moi. Vous étiez flippée de venir. Ouais, complètement. Je vous ai même appelé, Léa, je vous ai dit, ah non, mais c'est pas du tout ma place. Moi, j'ai l'habitude de faire parler les autres, mais d'être en lumière, moi, je me trouve très imposteur, je suis très angoissée de ça. Donc oui, j'ai pas bien dormi. Ça va, vous débrouillez bien. Très fébrile dans les coulisses. Mais je lui ai dit, allez. Hein. Mais c'est vrai que Michel, il a la drogue et les putes, mais c'est vrai que vous, du coup, on ne sait pas. Pareil. J'ai arrêté les deux. Les deux. Trop cher. Vous vous inscrivez, Faustine Bollard, dans une longue tradition de passeurs d'histoire, d'accoucheurs, de confidents. Qu'est-ce que vous avez emprunté ? J'en ai sélectionné quatre. À Jean-Luc Delarue, qu'est-ce que vous avez emprunté de lui ? Alors, Jean-Luc Delarue, c'était vraiment mon modèle, celui qui m'a inspirée. Je ne le connaissais pas du tout dans la vie privée. Vraiment, j'ai eu l'occasion professionnellement de le croiser, mais deux, trois fois. Donc, c'est vraiment un modèle qui est resté à distance, professionnel. On n'avait pas du tout la même façon d'animer. Moi, je suis enveloppante, je suis maternante, je suis tactile. J'enveloppe. Lui, il savait accoucher avec une forme de distance. Peut-être que je lui ai emprunté la dentelle de l'émotion. L'émotion, c'est de la dentelle. C'est-à-dire qu'une minute de plus et vous êtes voyeuse. Une minute en moins et le message ne passe pas. Donc c'est vraiment quelque chose. Mmh. C'est des notes de musique, en fait. Et je l'avais vraiment beaucoup observé à l'époque. Mireille Dumas. Ah, bah Mireille Dumas, accoucheuse, délicieuse. Qu'est-ce que j'ai pu lui... Peut-être là, j'ai fait très attention aux sons, aux intonations de ma voix. C'est fatigant quand on est une femme, on nous l'a reproché toute notre vie. Fais attention, t'as ta voix au perché, comme ça. Elle avait ce côté un peu suave, comme ça, qui faisait qu'elle enveloppait avec sa voix. Frédéric Lopez. J'ai appris avec lui, je ne le connais pas non plus du tout, d'ailleurs, on s'est croisés trois fois, mais il faut du temps pour accoucher quelqu'un. Il ne faut pas attendre que quelqu'un nous raconte ses vérités ou son intimité au bout de cinq minutes. Il faut prendre le temps, il faut accompagner, il faut mettre à l'aise. Et ce rythme de l'interview, j'ai pu m'en inspirer. Le témoignage qui vous a le plus empêché de dormir ? Dès que je fais des émissions sur le home jacking. Vous savez, j'ai déjà appelé mon mari juste après une émission pour lui demander. Mais vous savez, c'est quand on arrive chez vous, on vous braque. Et on vous saucissonne. On vous saucissonne et on va piller chez vous. Non, c'est vrai que ça m'empêche. Et j'avais appelé mon mari juste derrière en disant, tu changes toutes les alarmes. J'ai rajouté des cadenas chez moi. Surtout que le mari, il n'écrit pas du tout des trucs en fait. Violents. Ouais, non, c'est vrai. Pas du tout. En fait, je l'ai empêché lui de s'approcher parce que c'est lui qui me faisait peur. Ouais, ça... Le témoignage qui vous a donné une pêche de dingue.
J'aime bien, alors je suis un peu midinette, j'adore les histoires d'amour, des gens qui se retrouvent, des retrouvailles, qui retrouvent leur premier amour. J'adore quand on cherche quelqu'un sur le plateau, on donne son nom, sa date de naissance, tout ça, et puis à la fin, on voit qu'on retrouve quelqu'un. Je sais pas, ça me met en joie. Je vous ai Michel Boucher avec Sarah Bernard, par exemple. Oui. C'était un petit jeune. Mais je t'ai vu, Faustine, un jour. Il y avait des retrouvailles et t'étais en larmes. Ah ouais, non, moi, les retrouvailles. Vous savez que de temps en temps, moi, je suis même plus là dans mon émission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent. On a fait rencontrer une jeune femme, la Tania, qui a vu pour la première fois son frère et sa sœur qu'elle ne connaissait pas sur notre plateau. Eh ben, on l'a, l'image. On va passer la séquence, on peut la regarder. Vous connaissez notre émission? Oui. Comment elle s'appelle, notre émission? Ça commence aujourd'hui. On les accueille? Voilà, Bastien et Camille. Ça arrive. Ils arrivent par là. C'est une blague? Non, Tania, ça arrive là. Ça va? En voyant ces images, quand vous faites une émission de télé et tout d'un coup vous êtes hors du temps en vous disant j'assiste à la rencontre pour la première fois, en plus c'était très émouvant parce qu'ils cherchaient leur ressemblance immédiatement, donc ils se touchaient le visage, ils ont eu cette accolade comme ça. C'était des jumeaux. Ceux qui sont arrivés c'était des jumeaux en effet. Ah c'est ça. Et ils se sont regardés, c'est resté. Ils ne s'étaient jamais vus. Vous imaginez quand on assiste à ça, c'est incroyable. Vous êtes fière d'elle? Oui. Bon, il ne va pas dire le contraire là. Non, mais. Oui, c'est vrai. Elle est con, ma question. Parce qu'elle a fait du druc hier, mon Michel. Non, mais. Je l'ai connue enfant. Tout le monde le sait qu'elle est bonne. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Devant lui, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. C'est pas possible. En plus, il rajoute, si j'ose dire. Le succès de son émission au quotidien, quand même. C'était pas évident, on prend la suite de Jean-Luc Delarue. Qui était le pape, quand même, de ce genre d'exercice. Faustine, il y a un homme qui compte beaucoup dans votre vie. Beaucoup, même. Et qu'on adore ici. Il s'appelle Cyril. Alors, les téléspectateurs ne le connaissent pas. Oh. Mais je ne pouvais pas vous recevoir sans vous mettre une petite photo de Cyril qu'on embrasse. Oh, ça me fait plaisir. Qui est notre chouchou. Qui est notre coiffeur. Qui est notre coiffeur. À toutes les deux. Et peut-être notre meilleure amie à toutes les deux. Et c'est même votre témoin de mariage. Témoin de mariage, et c'est l'homme ami. Qui rassure l'équipe, qui... Ouais. Il nous enveloppe, il nous aime. C'est notre mère juive. Ouais. Sauf que moi, quand je lui demande de passer me voir... Il aime que les femmes, c'est comme ça. Il passe pas. Ah, c'est ça. C'est comme ça. Et je vais l'humilier un peu, parce que moi, je l'appelle Tata Rachel, justement. Parce et voilà. Que je le mais parce que tout à c'est fait notre enveloppant. Mère juive à nous. Exactement. Moi, j'appelle Cédric en même temps. C'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas vous couper les cheveux, cher ami. C'est possible. Ça commence aujourd'hui, le livre, cher Porcelinix, du lundi au vendredi chez France 2, juste après le journal de 13h. Merci, Faustine. Allez, on reçoit Philippe Cabrivière tout de suite. Très très beau plateau. Et autant la semaine dernière, l'émission était... Vous allez la mettre. Non, l'émission était pas ouf. Mais je voulais pas dire parce que c'est indélicat vis-à-vis des gens, des invités, de dire si on n'est pas dedans. Il le fait toutes les semaines. Non, mais là, c'est bien. Là, c'est vraiment bien. Quoique la semaine dernière, je dois préciser que record d'audience quand même, la semaine dernière avec des invités. Mais record d'audience. Ça, c'est beau. Alors, je veux surtout pas mettre... Je ne veux pas mettre la pression aux invités qui sont autour de cette table, mais si on fait moins bien, ce sera forcément de votre faute. Donc on risque de ne pas se revoir. Donc on verra. On verra demain. C'est vrai qu'on est plutôt content. L'émission, ça va, elle s'installe. L'émission marche bien. Il y a un ventre mou entre mes deux chroniques. Mais sinon, elle est bien. Non, et puis en plus, c'est avec des sujets pas funky. La semaine dernière, on avait hôpital, prison et fin du monde. Et ce soir, ça va être plus léger parce que tout à l'heure, on va parler 13 novembre et euthanasie. Vous voulez quoi, Léa? Vous voulez flinguer les téléspectateurs, c'est ça? Vous savez que si les gens qui nous regardent se suicident, l'audience va baisser mécaniquement, donc c'est pas intelligent.
Alors, j'exagère pas, parce que j'aimerais qu'on regarde, que vous vous rendiez compte quand même, ce que vous offrez aux Français le week-end. Le service des urgences, c'est le pire des services. Ça fait peur. C'est flippant. On a peur d'avoir un décès sur la conscience. Ce qui est le plus dur quand tu vois une femme battue, tu sais pas quoi faire. Menace de mort, de viol, etc. Le quadruple meurtre de votre frère Christian, de votre belle-sœur Brigitte et de deux de leurs filles, massacrées à l'arme blanche. Il y a quatre morts. Tout le monde est mort. Non, c'est vrai que... C'est vrai que c'est... C'est très sympa. C'est sympa de se détendre le samedi soir avec vous, Léa. Mais si, c'est sympa quand même. Il y a les spectacles de Michel Drucker, de Chicandier. Il y a Olivier Véran qui va nous rejoindre. Olivier Véran, Olivier, vous m'avez convaincu. Olivier Véran, allez. Est-ce que quelqu'un a un tabouret et une poutre? Ah, ça va aller, Philippe. Avec oui. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, on va sans doute parler de la baisse des ristournes sur les carburants. Sans doute. Oui, le prix de l'essence réaugmente depuis mercredi dernier. Et les stations-service sont devenues des boutiques de luxe. Alors moi, hier, j'étais chez Total. Il y a le pompiste qui est venu vers moi et me dit « Je peux faire quelque chose pour vous ?» J'ai dit « Non, je regarde juste, je ne peux pas faire... J'attends les soldes, je reviendrai plus tard. » Alors Léa, comme vous débutez un petit peu dans l'interview politique, je vous mets en garde, parce que vous avez parlé à Olivier Véran des difficultés financières des Français. Il est en train de nous regarder en coulisses. Là, je vous donne un petit tips, parce qu'il va vous sortir le classique de Macron et du gouvernement. Oui, la situation est pourrie, mais c'est pire ailleurs. Oui. D'ailleurs, on s'en tire mieux qu'en nos voisins européens. Il va vous faire ça. Exactement. Donc, je ne crois pas que ça console les Français quand ils remplissent leur caddie, que ce soit pire ailleurs. Ou alors, on va au bout du concept. Vous voyez, dans tous les caddies des Français, on met « c'est pire en Albanie ». Vous voyez ? Comme ça, les gens, ils font leurs courses. Pour leur course comme ça, il faut « Oh, le pot de Nutella, 30 euros. » Oui, Françoise, tu as raison, mais c'est pire en Albanie, tu vois. Cette semaine, les députés... Donc, je vous le confie, si vous sort, c'est pire ailleurs, vous prenez le panneau. Merci, ce sera pire en Albanie. Cette semaine, les députés ont rejeté une proposition de loi de l'insoumis Émeric Caron qui voulait interdire la corrida. C'est un échec pour votre ancien collègue, Émeric Caron, qui a très mal tourné. En plus, il est de gauche, on a fait des tests ADN, il est de gauche. Que voulez-vous? C'est comme ça, on accepte le verdict. Alors, la tauromachie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la tauromachie? C'est un mec qui a piqué une tenue de scène de Bilal Hassani et en fait, qui veut absolument faire de l'acupuncture sur une grosse vache noire. En fait, c'est ça la tauromachie, pas plus. Pardon, vous êtes pour ou contre la corrida, Philippe? Alors, Claire, Léa, vous me demandez si je suis pour ou contre la souffrance animale. Mm-hmm. Clairement, je suis pour si le taureau s'est inscrit de son plein gré. Si c'est lui qui a mis son nom pour participer à la compétition, moi, je n'ai pas de problème. Si le taureau, puis après tout, si le taureau, il est un peu SM, il aime se faire piquer le cul, ça le regarde, c'est son choix. Et à propos de club SM, j'ai emmené Michel Drucker dans un club. Et ce n'est pas une vanne. En tournée, je l'ai emmené, et il s'en rappelle. Dans un club un SM peu coquin. Sérieux? L'orchidée noire à Nantes. Mais ouais. L'orchidée noire. Alors, quand on travaillait avec Canteloup, il a voulu absolument. D'ailleurs, je m'en souviens, c'était à Nantes. Mais on a essayé de rentrer. On a essayé de rentrer sans lui. Oui, on n'a pas réussi. Ouais. Après spectacle, on tape avec le metteur en scène Stéphane Joly. On tape karaoké ou club échangiste, je ne sais pas, on se bourre. On va, on est à deux garçons. Donc ils nous disent non. Là, je vais chercher Michel Drucker, Nicolas Canteloup, Marc-Olivier Fogiel. Je les ramène, je leur dis, il y a un petit karaoké sympa. Je ne dis pas, le videur ouvre la petite truc, il fait, oh putain, Michel Drucker. Et là, Michel, il fait, magnifique, l'échangisme. Il y a Fogiel qui est à côté de moi, qui fait, bonsoir, hein, bonsoir. La patronne des boules, elle fait, ah tiens, Michel, vous venez avec des invités ce soir. Et elle lui dit, ça tombe bien que vous reveniez, parce que la semaine dernière, vous avez oublié votre slip. Il connaissait très bien l'endroit. Bon, voilà, c'était une parenthèse. On embrasse l'orchidée noire. Revenons à la corrida. Bon, ces adeptes défendent le respect de la tradition. Bah oui, la tradition. Léa, la tradition. Bah si. La tradition, par exemple, la tradition d'épouser sa sœur, qui avait encore il n'y a pas longtemps, dans les Vosges, encore il y a 4 ans, on pouvait épouser sa sœur. On a fini par la déclarer illégale, et c'est pas plus mal. Magnifique, Gérard Maire, et final, Carcassonne, on embrasse les Vosges.
Léa, vous avez compris pourquoi je me suis marré pendant des années avec lui. Bah oui, je comprends bien. Il va faire de la scène, il va remplir les salles. Ah oui, ça c'est sûr. En Belgique. Et 20 personnes. 30 personnes peut-être. 30 peut-être. En Belgique, l'imam Ikyusen, oui, accusé d'antisémitisme et d'homophobie, s'est défendu en déclarant « ma langue a fourché ». Mais oui, il n'est pas antisémite, sa langue a fourché. Le Céline en babouche a donc cette explication toute simple pour ses écarts de langage. « Ma langue a fourché ». Et moi, il m'a convaincu, il m'a touché, parce que ça m'arrive quelquefois. Je vois hier, j'étais à la boulangerie. Et alors, je commande un pain au chocolat et un pain nordique. Et je dis à la boulangère, tiens, il y a trop de juifs et trop de pédés. Ma langue a fourché. Alors, autant pain au chocolat et juif, pain au chocolat et juif, ça se ressemble pas. Mais pain nordique et trop de pédés, ça peut. Pain nordique, trop de pédés, ça peut. On peut fourcher, je comprends. Vous allez voir, vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec lui. On parle de la Coupe du Monde, si Philippe. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des joueurs de s'exprimer sur la question du respect des droits de l'homme? Alors, on rappelle la définition du fat balleur. Hein. C'est un gars qui court vite en short. Voilà, pas plus, c'est un footballeur. Alors, je trouve qu'on est en train de confondre Olivier Giroud et Jacques Attali. On confond Hugo Lloris et Raphaël Glucksmann. Ah, vous voyez la différence? Il est à droite, hein, Raphaël Glucksmann. La différence se fait dans l'œil. Vous voyez l'éclat dans l'œil qui est plus à droite que... Moi, je dis que c'est chacun sa spécialité. Est-ce qu'on demandait à Stephen Hawking de faire des retournées acrobatiques dans la surface? Il ne pouvait pas, parce qu'avec le fauteuil, il aurait pu essayer, mais ça ne passe pas. Il n'y a pas la fonction sur... Bon, à la rigueur, une tête, sur le côté, une tête. Allez voir, n'est qu'au début de la saison, non, vous allez voir dans quel état vous serez là. C'est atroce. Bon, ben, on termine avec Hugo Lloris, qui a donc refusé de... Qui a expliqué qu'il n'allait pas porter le brassard LGBT, oui, donc, parce qu'il faut respecter les règles. J'ai entendu sur RTL ce que tu as dit sur Hugo Lloris. Non, je vais lever le pied, parce que je m'en rends compte que ça va trop loin. La liste des blessés chez les Bleus s'allonge donc, Michel. Après Kanté blessé aux ischio-jambiers, Pogba au genou, Kimpembe au tendon d'Achille, c'est Hugo Lloris qui a subi une terrible ablation des couilles. Si vous retrouvez les couilles d'Hugo Lloris, merci de les envoyer au siège de la FIFA. De préférence dans du papier bulle, parce que c'est quand même fragile. Allez. Merci Philippe. Il revient tout à l'heure. On en a une deuxième dose de Philippe Cabrivière. On l'attend avec impatience pour son fil actuel. Reprenez votre souffle. Ah non, mais là, laissez tomber. Là. Non, mais en tant qu'humoriste, c'est un exercice qui est très, très compliqué et je le trouve extraordinaire. Ouais. Chaque fois que je le vois, c'est... C'est un cadeau. Okay. Comment vous allez faire la transition avec Olivier Véran maintenant? Tout de suite, on l'a fait. C'est du métier, Michel. C'est du métier. Il se marre, Olivier Véran. Ça va aller. Place maintenant à l'invité de minuit de Quelle Époque. Il n'a pas le job le plus facile du monde. Non. Expliquer l'action du gouvernement sur l'immigration, sur les retraites, sur la fin de vie. Va-t-il laisser ses éléments de langage au vestiaire? Je l'espère ce soir. Il est notre invité de minuit, le porte-parole du gouvernement, aussi ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Puis Olivier Véran est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Je regarde Olivier Véran comme un ministre de la Santé, comme je regardais quelle erreur les jours. Vous avez fait, vous ne savez et pas. Serre la main, non, pour une demi-heure, là. J'ai mis du gel avant de rentrer. Mais c'est maintenant qu'il faut remettre. Tout en me marrant, merci pour la transition, formidable. Non, j'ai mis du gel avant de rentrer, j'ai en DVD aussi. Non mais... Parfait.
Écoutez, elle est élégante cette émission de ce soir. Elle est, on a explosé le niveau du chic ce soir, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Olivier Véran, merci d'être là. La France a accueilli à titre exceptionnel le navire humanitaire Ocean Viking avec à son bord 234 migrants. On a appris jeudi dernier que 26 des 44 migrants mineurs qui étaient pris en charge par les autorités françaises avaient fugué. Expliquez-moi comment c'est possible. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu cette information et qui se sont dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, où est la crédibilité de la force publique? Vous expliquez que vous voulez protéger les Français, vous n'êtes pas capable de surveiller 40 gamins? Alors, Léa Salamé, il y a une convention importante, convention européenne des droits de l'enfant. Cette convention, elle dit qu'en aucun cas, on ne peut enfermer, et encore moins de manière arbitraire, des enfants. Ah oui ? On ne peut pas les enfermer. Et alors pourquoi Gérald Darmanin, il a dit ça non. Sur TF1 Non, pardon. Non, parce que la parole publique, il faut quand même y répondre. On l'écoute sur... Il a dit, personne ne sortira. On l'écoute. Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. Ils ne sont donc pas sur notre territoire national au sens juridique du terme. D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Aucun ne pourra sortir du centre administratif, a dit Gérald Darmanin. Sa langue a fourché. D'abord, est-ce que je peux rappeler une évidence? Les 200 personnes dont on parle, qui étaient à fond de cale d'un bateau depuis 15 jours en haute mer, avec un certain nombre d'entre eux qui étaient en état de santé dégradé, le seul délit dont ils sont coupables, c'est le délit de survie. Ils n'ont commis aucun méfait. Nous les avons accueillis dans un port militaire, ils ont été soignés. Des enquêtes des services de renseignement ont été effectuées pour vérifier s'ils présentaient des éléments de dangerosité. Et ensuite, c'est un dispositif de droit commun qui existe. Et je le rappelle très brièvement pour que chacun puisse comprendre. Quand il s'agit de mineurs, on ne peut pas les enfermer sans raison. En l'occurrence, pourquoi il a dit ça, Olivier Véran? Soyons sérieux. Léa Salamé, j'y viens. Bah oui, Un certain nombre de ces mineurs sont partis pour rejoindre leur famille en Allemagne à l'heure à laquelle on parle, et ils y sont probablement. Et ensuite, vous avez les adultes. Vous avez des adultes qui ont fait une demande de droit d'asile. Dès lors que vous faites une demande de droit d'asile, vous n'avez pas vocation à être en rétention ou en détention. Vous pouvez vous déplacer sur le territoire et un jour, on vous appelle pour vous dire « Vous avez le droit à l'asile, bienvenue en France. Vous n'en avez pas le droit, au revoir. » Et vous avez enfin des personnes parmi ces adultes-là qui n'ont pas fait de demande de droit d'asile et dont les dossiers ont été présentés dans les 24 heures, comme le veut la loi, devant un tribunal. Et le tribunal, et je n'ai pas à commenter la décision du tribunal, a estimé dans un certain nombre de cas que les adultes n'avaient plus vocation à être détenus ou retenus dans le centre Olivier du sud Véran, de la France. Vous m'aviez promis pas de langue de bois. C'est pas vous ne m'avez bois, pas répondu. Gérald Darmanin a dit aucun ne sortira. Mais aucun ne sortira. Il y a 26 gamins qui ont fugué. Aucun ne sortira jusqu'à ce que l'État de droit, pardonnez-moi, décide qu'il sorte. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que c'était une erreur, que c'était une phrase malheureuse? Gérald Darmanin, quand il dit « aucun ne sortira », il ne considère pas que ces personnes ont vocation à passer 50 ans dans le Pierre et Vacances de la presqu'île de Gien. D'accord. Mais donc il dit que les personnes ne pourront pas partir avant qu'il y ait un examen, avant que les dossiers soient traités. C'est surprenant d'apprendre que 26 mineurs, qui étaient censés être surveillés par les autorités françaises, aient fugué. Mais je vous redis que le droit est rien que le droit. Donc il n'y a rien à se reprocher du côté de la force publique. Mais ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le droit et la loi stipulent que vous... Et heureusement, on n'enferme pas des mineurs qui n'ont aucune raison d'être enfermés. Monsieur, ils pouvaient être surveillés sans être enfermés. Voilà. Oui. Ils étaient moyennement surveillés. Ils étaient moyennement surveillés. D'accord, mais pardonnez-moi. À un moment donné, se pose une situation très pratique, en fait. On ne peut pas vous enfermer. Et heureusement qu'on ne peut pas enfermer des mineurs qui n'ont rien fait, encore une fois. On ne peut pas les mettre en prison, c'est ces pauvres gamins qui étaient sur un bateau. Certains ont 12 ans. Il y a des gamins de 12 ans qui sont partis pour rejoindre leur famille en Allemagne. Si cet enfant de 12 ans, il vient vous voir et dit « en fait, je sors », la loi ne vous autorise pas à dire « tu restes ». On lui demande de rester, on lui apporte toutes les garanties. En fait, ces gens-là, ils ont eu peur aussi. Certains débarquent du Bangladesh, ils ont traversé trois mers, ils ont cru qu'ils allaient mourir dans ce bateau, ils y ont passé 15 jours à fond de cale. Ils se retrouvent avec certes accueillis dans un pays d'accueil, et c'est l'honneur de la France de les avoir accueillis, parce que c'était des raisons humanitaires et sanitaires. Y compris aussi des manifestants qui hurlent tout près de l'endroit où ils débarquent. Comment vous avez apprécié la une de Valeurs Actuelles cette semaine? Regardez. Que ce bateau retourne en Afrique. Le mot apprécié me paraît assez inadapté, en fait, pour décrire ce que je ressens, parce que, encore une fois, c'est l'honneur de notre pays de réaffirmer nos valeurs républicaines, de réaffirmer que nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, et que nous sommes capables, et nous avons un discours ferme en matière de lutte contre l'immigration illégale, des ambitions fortes en matière de politique d'intégration, des ambitions extrêmement fortes en matière de respect de la laïcité, et en même temps, être capable tout simplement de considérer que la non-assistance à personne en danger ne fait pas partie de l'ADN de notre pays et de ses habitants. Vous parlez des droits de l'homme, la Coupe du monde de foot démarre
là, ce dimanche. La France joue son premier match contre l'Australie ce mardi. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé qu'elle se rendrait au Qatar si la France atteignait les quarts de finale. Emmanuel Macron ira au Qatar si la France atteint les demi-finales. C'est votre en même temps adapté au foot. On boycotte, mais pas trop. C'est pas une logique de boycott, c'est une logique de dire on va se déplacer, on va faire le déplacement. Si la France va loin, on ne suit pas tous les matchs des compétitions internationales. Si vous me posez, je comprends à travers votre question, vous me demandez mon avis sur la Coupe du Monde au Qatar. Je n'aurais pas attribué la Coupe du Monde au Qatar. En l'occurrence, je n'ai pas attribué, nous ne l'avons pas fait, c'était il y a 12 ans. D'ailleurs, si vous regardez, je m'en souviens parce que ça va. Nicolas Sarkozy avait soutenu. Non, mais il y a un truc, qui m'a marqué, c'est que. Ouais, mais je me souviens qu'il y a 12 ans, parmi les premières réactions des gens, de certaines personnes, c'était comment les footballeurs vont réussir à jouer correctement au football dans des stades, dans des stades surchauffés. Et à l'époque, le Qatari avait dit on va les climatiser. Et j'en disais ah bon, d'accord. Et aujourd'hui, on trouve complètement dinguissime de climatiser des stades au milieu du désert. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que les esprits ont évolué. Maintenant, on ne va pas boycotter une compétition internationale. Le sport peut être aussi l'occasion de faire passer des messages. Vous allez la regarder, de transmettre des valeurs. Je regarderai les matchs si j'ai le temps, s'ils sont intéressants. Comment vous les trouvez, les friges, monsieur le ministre ? Ça, c'est truc. Les petits clitoris. Les petits, voilà, Faustine l'a dit. Je sentais que c'est à vous brûler. Qu'est-ce que vous pensez, Michel, de nos mascottes pour les JO 2024 ? Je découvre, je ne les connaissais pas. C'est joli, vous aimez bien ? Oui, mais je remarque que M. Véran est neurologue, pas gynéco. Je vous montre les friges, Olivier Véran, parce que vous avez déclaré... Voilà, exactement. Vous avez déclaré... Et là, alors je suis désolée, mais vous avez... Cette petite phrase que vous avez sortie, je crois que c'était au 4V avec Thomas Soto, vous lui avez expliqué qu'on ne pourrait pas, que toutes les mascottes en peluche seraient produites en Chine, parce qu'on n'a pas la capacité, nous, en France, de produire 2 millions de peluches sur 2 ans, hein, c'est pas en 3 mois. On n'est pas capable, nous. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, avec le Covid, que vous avez parlé, on va revenir ici, on va relocaliser en France, on va produire les masques en France, les médicaments en France, et mais on n'est pas capable de produire 2 millions de pauvres peluches en France. En fait, il y a plusieurs sujets. Le sujet de la matière première. Le textile qui est utilisé pour ce genre de peluche, il est essentiellement en Chine, en Asie. Bon. Ensuite, ouais, les chaînes de fabrication pour produire à très grande densité des peluches comme celle-ci, elles se trouvent difficilement aujourd'hui en Europe, voire pas du tout, et sur des temps contraints, c'est très compliqué. C'est ce qui m'a été expliqué quand j'ai posé la question. On a 2 ans. Néanmoins, Léa Salamé, c'est 2 entreprises françaises qui les fabriquent, dont il y en a une qui s'appelle Doudou et compagnie, l'autre me pardonnera, j'ai oublié le nom. Et l'engagement qui a été pris, c'est qu'un certain pourcentage de ces peluches soit fabriqué en France à la faveur justement de la réouverture d'une entreprise, d'une usine capable de les fabriquer. C'est-à-dire qu'à la faveur de cette commande, on incite l'entreprise française à relocaliser en France ce qui peut l'être. Donc et on demande à l'entreprise d'accélérer. On va en produire un peu, mais on ne peut pas faire les 2 millions. C'est ça le discours. On va en faire combien ? On n'était pas en capacité de le faire. Mais c'est un constat. Vous savez, Léa Salamé, c'est un constat qu'on, vous l'avez non, dit, qu'on a fait sur les masques, sur les médicaments. On a l'impression qu'on est... J'ai une bonne nouvelle. La France, depuis 3 ans, est le pays dans lequel on investit le plus en Europe. C'est le pays dans lequel il y a le plus d'usines qui se réimplantent. À côté de chez moi, en Isère, on refabrique du paracétamol, par exemple. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est l'enjeu de la politique qui est conduite par le président de la République depuis 6 ans. Paul de Saint-Cernin. Olivier Véran, vous êtes ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de mots compliqués pour dire ministre de « Où est-ce qu'on va bien pouvoir le caser, celui-ci ?» Bon, il a de l'humour. Vous êtes aussi porte-parole du gouvernement, et là je vais être très sérieux, je m'adresse à Guillaume Audat, qui est un grand journaliste, qui a sûrement vu cette étude que j'ai lue ce matin. Porte-parole du gouvernement, c'est le 3e pire métier en France. Après quoi ? Après proviseur du collège Jean-Marc Morandini et élève du collège Jean-Marc Morandini. Vous êtes d'accord ? C'est un job un peu difficile, porte-parole ? C'est passionnant. Faustine, elle dit oui, c'est difficile. Mais c'est passionnant parce qu'il faut être au fait de tout. Moi, qui suis scientifique, ça me passionne. Hier, j'ai fait venir le patron de RTE, les réseaux de distribution électrique. Ah bah justement. Il m'explique exactement comment les choses se passent. Il va y avoir des coupures. Non, parce que... En cas de coupure, non, mais... il va y en avoir en janvier ou pas ? C'est rassurez bon, les Français. Léa, vous pouvez ressortir la pancarte, je crois. Ah oui, vous avez raison. On n'aura pas d'électricité. En janvier, il n'y a pas d'électricité, mais...
C'est vrai que l'Albanie devient une destination touristique à la mode. Oui, moi, je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai une petite rumeur. Mais après, je voudrais qu'on parle du Covid aussi, si vous voulez bien, parce que c'est très important, je pense, ce qui s'est passé par rapport à ce que ça a produit et par rapport aussi au regard des gens vis-à-vis des hommes politiques. Une petite rumeur comme quoi, en fait, vous auriez fait des pieds et des mains pour revenir, ministre, après que vous ne le fûtes plus, en tout cas après que ça s'arrête, après que votre ministère de la Santé s'arrête. Quand on veut revenir comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On menace, on téléphone à tout le monde, on met des pressions. Non, mais je vous dis ça. Et en plus, je vais vous dire, personnellement, je ne vais pas encore tresser des louanges, mais quand vous êtes arrivé à ce ministère au moment du Covid, je crois qu'on est plusieurs à s'être dit « Ouf !» Peut-être que quelqu'un va prendre ce bordel en main vraiment, parce que tout le monde avait un petit peu peur de la précédente personne. Mais peu importe, on n'est pas là pour dire du mal. Néanmoins, est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est vrai que je voulais rester ministre? La réponse est oui. D'accord. Est-ce que c'est vrai que je voulais quitter le monde de la santé pour devenir un ministre plus politique? La réponse est oui. J'ai menacé personne, en fait. J'ai juste signalé que j'étais disponible. Est-ce que vous avez fait des pieds et des mains, comme il dit, Christophe Edecheval? Vous avez appelé ici, à droite, un peu de lobbying. Pardon, ça n'existe pas. Non. Okay. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi passionnant d'être porte-parole du gouvernement que ministre de la Santé? C'est totalement différent. En fait, vous n'en avez pas marre des éléments de langage? Ouais. C'est la vérité. Oui, je suis d'accord, en fait. Ouais. Vous étiez plus libre. Moi, honnêtement, je vous ai interviewé comme ministre de la Santé. Ministre de la Santé, il n'était pas très libre. Il avait... Là, on a l'impression que vous êtes enfermé dans vos éléments de langage. On se dit, mais il n'en pense de pas. Dire ça. Mais non, au contraire, je suis gentille, là. Je me dis. On dit que c'est pas de votre faute. Mais non, mais. On dit que... Non, mais c'est vrai, on dit que vous êtes coincé. Est-ce que la fonction vous oblige parfois à affirmer que vous êtes d'accord avec des choses pour bah oui. lesquelles vous n'êtes pas forcément en accord? Par exemple, la réponse, elle est oui, puisque je ne suis pas tributaire de mes propres idées. Maintenant, si vous me posez des questions sur mes convictions, on va pouvoir en discuter. Vous verrez que je suis très, très libre de parler. Je vais le faire tout de suite. Lorsqu'il s'est agi des masques, ouais. Ce qui a choqué évidemment tout le monde et ce qui a rendu certains fous furieux même, en groupuscule, criant à la dictature, je ne vais pas citer, je suis lâche, hein, je suis comme Rivière, je ne vais pas citer Philippot, je ne vais pas citer celui qu'on ne voit jamais en présentiel, l'avocat qu'on ne voit jamais en Divisio, voilà, c'était une blague nulle. Voilà. Ah, je ne l'avais pas. Voilà. Okay, je l'ai essayé. Ou du cognon, enfin voilà, tous ces gens qui ont crié vraiment à la dictature, le pass sanitaire, machin. Mais est-ce que vous n'avez pas tellement déconné, en fait, à dire, au lieu de dire, on n'a pas de masque, on est dans la merde, faites-vous des masques avec des slips, on bricole comme au Japon. Non, mais je ne plaisante pas. On fait des tutos, moi c'est ce que je regardais, hein, comment vous faites des slips avec des chaussettes, des masques avec des chaussettes. Est-ce que vous n'avez pas merdé en disant, je vais essayer d'être sérieux deux minutes, est-ce que vous n'avez pas merdé en disant, il n'y a pas besoin de masque, on n'en a pas pour l'instant, mais il n'y en a pas besoin, puis en rajoutant après, médecin que vous êtes, c'est pas audible en fait, vous avez vécu votre vie masquée, quasiment, en tout cas en milieu hospitalier, dire, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne protège pas et ça ne diffuse pas, enfin, tous ces, vous avez été probablement obligé par votre fonction de faire ces mensonges qui étaient des gros mensonges, mais dont les gens, en fait, après, vous en ont voulu beaucoup. Et d'autres ont réagi de manière extrêmement radicale qu'on n'aime pas voir. Ouais. Je vois que vous avez mon livre. Oui, je vais montrer votre livre parce que dans ce livre-là que vous avez sorti, Par-delà les vagues, journal de crise au cœur du pouvoir, vous regrettez. Chez Robert Laffont, vous regrettez, vous racontez ces deux années-là au ministère de la Santé, vous regrettez, vous faites votre mea culpa en disant oui, j'ai menti et oui, c'est pas bien. Bah, j'ouvre les coulisses du ministère de la crise pendant la crise pour que les gens puissent se faire une idée. Et sur les masques, je différencie deux choses. Vous avez parlé de mensonges. Non. Erreur, oui. Il n'y a pas une recommandation internationale en mars ou en avril 2020 qui dit que le coronavirus se transmet par gouttelettes. La France bouge avant l'OMS, en fait. Avant l'OMS, on dit, en fait, il faut mettre des masques. Tous les coronavirus ne se transmettent pas de cette manière-là. Vous savez, il y a des virus que je peux transmettre en vous parlant comme ça par des gouttelettes, qui est suffisamment contagieux par voie aérienne. Et il y en a d'autres que je ne transmettrai même pas. Arrêtez de toucher Michel. Arrêtez de toucher les fragiles. C'est parti de mon enfance, Michel Drucker. Oui, d'accord, mais enfin, vous avez serré les mains de tout le monde. Et puis Michel connaît la Jonquera. Et donc, connaît les virus. Et donc, ce qu'on dit... J'ai pas compris. Moi non plus. On est au-delà du trash. Visiblement, vous avez compris. Le ministre a compris, parce que le ministre est médecin. J'ai habité pas très loin de la Jonquière, mais de l'autre côté. Vous pouvez attendre deux secondes, vos saloperies. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Mais le masque, on dit on n'en a pas et on n'en a pas besoin. Et ensuite, on dit on n'en a pas et on en a besoin. Donc, c'est pas l'idée d'un mensonge. C'est l'idée que des recommandations évoluent. Et après, on dit si vous n'en mettez pas. Faire un masque en slip, le problème, Christophe Deschavannes, faire un masque en slip.
À moins que les fibres de votre slip soient hyper concentrées, pour arrêter un virus qui fait moins de 3 microns, c'est compliqué. C'était symbolique, ce que je voulais dire. Je peux retirer ma... Christophe, attention à ta gauche. Bon, monsieur le ministre, je vous demandais quelle serait la vision et peut-être la grande loi d'Emmanuel Macron pour ce deuxième quinquennat. Est-ce que ça pourrait être la fin de vie? C'est un sujet qui touche tous les Français. Elle en parle, Faustine, dans son émission. Guy, vous vous souvenez cet homme qui avait interpellé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle? Il est parti il y a quelques jours pour se faire euthanasier en Belgique. Et son compagnon vous demande d'en faire la grande loi. Écoutez-le. Chaque président a laissé Mitterrand par rapport à la peine de mort, Giscard par rapport à l'IVG et Hollande par rapport au mariage pour tous. Je dis, s'il doit laisser une trace, c'est une trace qui fait avancer pour chacun d'avoir une fin digne et choisir le moment de sa mort. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va aller au bout? Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? On n'en fait pas une décision politique, on n'en fait pas une loi politisée, ni de droite ni de gauche, ni on n'en cherche pas à en tirer un bénéfice le jour où on fera cette loi si on la fait. Ce qu'on dit, c'est un débat qui touche à l'intime, qui nécessite de la nuance. Et le président de la République a souhaité confier cela, cette réflexion, à des citoyens tirés au sort. Et en même temps, nous mobilisons les professionnels de santé, les usagers, les associations. Ça, on connaît. On sait, la convention citoyenne, elle est lancée. C'est important de rappeler cette méthode. Parce qu'on aurait pu faire un projet de loi et dire, regardez, on va mener cette bataille. En fait, on souhaite respecter l'intimité de chacun et en faire un sujet très personnel. Et donc, on le confie à des citoyens. Faustine Bollaert aussi, elle a envie de savoir si vous, quelle est votre conviction? Je crois que vous voulez, Faustine, le savoir aussi. Vous, là, je vais vous demander de sortir, puisque chacun devra se prononcer. Bien là, ce n'est pas politique, puisque c'est une question qui divise tous les partis. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que j'ai un avis très clair là-dessus, une et conviction très forte, mais vous savez, je suis en charge de la phase de la concertation. C'est-à-dire que je suis un peu le garant de la neutralité des débats qui se tiennent aujourd'hui. Donc si je viens vous dire, voilà ma conviction, je perds un peu de ma crédibilité quand je vais m'adresser aux équipes de soins palliatifs. Peut-être au contraire. Non, je disais que c'est épouvantable, votre métier, en fait. C'est pas question de porte-parole, là. C'est vraiment question de... En plus, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là par le passé. Je suis toubib, je suis neurologue, j'ai été confronté dans ma carrière à des patients qui avaient des scléroses latérales amyotrophiques, des maladies de Charcot, qui se voyaient se paralyser, qui me demandaient quelque chose que je ne pouvais pas leur donner, tout en considérant qu'ils étaient légitimes à le demander. Ça vous donne peut-être une orientation. Ça donne un bout de réponse, bon, déjà. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas en faire un combat personnel. Je préfère, entre guillemets, faire un pas de côté pour respecter cette dimension citoyenne qu'on veut donner. Ça doit être dur de ne pas pouvoir avoir de combat personnel. Je vous vois depuis tout à l'heure et je me dis que ça doit être dur, ce que vous dites depuis tout à l'heure. On ne nous aime pas, on doit accepter qu'on ne nous aime pas. Je vous vois même dans... Non, mais on doit supporter. Vous avez des convictions personnelles. Vous ne pouvez pas vous partager. Vous devez même défendre des idées qui ne sont pas les vôtres. Et même dans votre gestuelle, c'est intéressant. Parce qu'en effet, dès que vous êtes en ministre, vous tenez droit, comme ça. Et puis, de temps en temps, on voit que vous déconnez un petit peu. Là, vous êtes un peu sympa. Et c'est vrai. Vous décontractez un petit peu. Et en fait, je ne sais pas... Non, mais je vous regarde depuis tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous êtes... Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas qui vous êtes, à part le fait que vous étiez un neurologue. Si, on a envie que vous mouilliez, en fait. Moi, j'ai envie de me reconnaître dans des politiques qui, à un moment, vont mettre leur... C'est ce que dit... Faites venir un canapé, parce que là, ça ressemble... Mais c'est vrai que les gens attendent peut-être justement des ministres et de ceux qui nous gouvernent, pardon. Oh, bah, elle pose pas... On vous pose des questions de fond, pardon. Je vais poser une question très claire. Je pense qu'on attend des ministres, justement, qu'ils soient eux. Ouais. Mais vraiment. Lisez mon bouquin. Oui, non, mais je Guillaume Audin. Ben peut-être que Paul avait raison. C'est dur d'être porte-parole du gouvernement, de ne pas être soi en face de journalistes, de gens qui vous posent des questions, de Français qui attendent ces réponses. À un moment donné, il faut un peu livrer de soi. Je suis d'accord. Dire qui on est. Poser une question qui relève de mes convictions. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de vie ? Est-ce qu'il faut aller plus loin que la loi Claeys-Leonetti ? Je vous ai dit en l'occurrence. Il nous a dit oui, mais je peux pas vous le dire. Je voulais dire en l'occurrence que c'est pas mon rôle de porte-parole, c'est que vous imaginez une seconde que vous êtes chargé de mener une consultation et de réunir autour de la table des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Bien. Et vous dites aux gens, en fait, cette décision, pour une fois, c'est pas nous qui allons la prendre, c'est vous qui allez l'éclairer. Et si vous arrivez en leur disant, c'est vous qui allez l'éclairer, par contre, j'aimerais bien que vous fassiez ça, on perd un peu de crédibilité. C'est tout. Mon combat personnel, mon parcours personnel en neurologie, en EHPAD, etc., fait que j'ai une attention particulière portée aux personnes fragiles, aux personnes âgées. J'ai de la tendresse pour les gens qui sont dans des situations comme celle du mari de Guy qui est parti en Belgique. Je suis allé en Belgique, regardez comment les choses se passent. Comment vous dire les choses? C'est pas un problème d'afficher de la conviction en l'occurrence, là. C'est plutôt de la retenue. Parce que je pense que ce débat mérite le courage de la nuance. Michel Drucker. C'est la première fois que je vous vois.
Vous êtes très jeune. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez 42. 42 ans. Ah, c'est très jeune. C'est quand même, vous êtes un des plus jeunes. Et j'aurais pu vous rencontrer à Grenoble, car je connais très bien votre ville, je connais bien votre parcours. Et mon père, en arrivant en France dans les années 30, a été médecin à Grenoble, à Saint-Égrève, dans un hôpital psychiatrique. Oui, je connais bien, il a pas pu être français, car il y avait le numéro clausus. Il venait de Roumanie. Mais ça, c'est pas ça que je vais vous poser comme question. François Mitterrand, vous n'avez pas connu, moi j'ai bien connu, disait, les Français sont un pays sans mémoire, un peuple sans mémoire. Il faut donner du temps au temps. Vous faites le plus beau métier du monde, la médecine. Je sais, je suis fils de médecin et frère de médecin. Vous ne regrettez pas de temps en temps ce métier? Pourquoi vous avez choisi la politique alors que maintenant, M. Mitterrand ne pourrait pas faire demande à cause des réseaux sociaux? Parce que même si la France est un pays sans mémoire, les réseaux sociaux sont là pour la rafraîchir, la mémoire. Vous ne regrettez pas votre métier de médecin? Je vais vous répondre. En 2015, j'étais député de 2012 à 2015. En 2015, la ministre que je suppléais démissionne. Je quitte l'hémicycle, j'étais rapporteur de la loi d'ailleurs sur la santé, et je me souviens parfaitement que je caresse le velours rouge des fauteuils de l'Assemblée nationale et je dis adieu à cet endroit. Et je rentre chez moi, je retrouve femme et enfant, et je leur dis c'est terminé. Et je retrouve l'hôpital. Une semaine plus tard, je refais des gardes en neurologie vasculaire pour traiter des patients avec des AVC, je me fais engueuler en arrivant à l'hôpital parce que je marche dans le mouillé, je partage le café avec les infirmières, je me retrouve en salle de garde la nuit avec le portable, etc. Je me dis, ça y est, je me réinscris à une salle de sport, je revois les copains, je retrouve un rythme de vie normal. Magnifique, je fais même de la kidé parce que j'avais le dos défoncé après 3 ans de parlement. Moi, je comparerais ça à Marius dans Pagnol, c'est-à-dire l'appel du large. À un moment donné, la politique vous rappelle. Vous êtes très bien là où vous êtes. Vous avez un équilibre de vie sans autre pareil. Et tout d'un coup, cette envie d'aller faire de la politique. Le pouvoir ou la politique vous rappelle? Non, ce n'est pas le pouvoir. Comment vous dire? C'est passionnant, la politique. J'ai dit tout à l'heure que les politiques n'étaient pas aimées. Mais c'est passionnant. Mais faire de la politique aujourd'hui, c'est un job qui est passionnant. C'est plus compliqué. Vous rencontrez des gens passionnants au quotidien. Vous vous adressez aux gens. Vous êtes obligé. Alors, un parallèle avec la médecine, c'est qu'on prend des décisions et on doit les assumer. Donc, je ne regrette pas la médecine. J'ai profondément aimé mon métier. J'ai profondément aimé mes malades, mes patients, les collègues avec lesquels j'ai bossé. Ministre de la Santé en période de crise, c'est pas très éloigné de l'exercice de la médecine. Olivier Véran, vous aimez le pouvoir aussi. Mais on a tous un ego de toute façon, quand on fait de la politique nationale. Bien sûr, voilà. À un moment donné, vous levez le matin. Vous parlez de dire la vérité. Moi, je vous connais un peu, vous aimez ça aussi. Vous vous levez le matin en disant, j'estime que je suis en capacité de représenter mes compatriotes. Donc évidemment, vous avez de l'ego, évidemment, vous aimez quelque part le pouvoir. Mais comment vous dire que ce côté... Moi, j'entretiens un rapport passionnel avec la politique. Mais ça s'arrêtera un jour. J'en ferai pas toute ma vie. J'aurai d'autres vies derrière. Je vais être comme un chat. Moi, je ne crois pas. Je crois que vous quitterez jamais la politique. Je ne crois pas. Léa, la loi mannequin, ça, c'était très bien. Ah, vous en souvenez? Oui. Vous avez fait en sorte que les agences de mannequins cessent de prendre des jeunes filles pour en faire des anorexies. C'est quand j'étais jeune député. Et avoir des physiques de porte. Quand j'étais jeune député, en fait, je me suis mis à suivre des combats. Un, j'ai prôné l'ouverture du don de sang par les homosexuels. Deux, j'ai interdit les mannequins trop maigres. Ensuite, j'ai mis en place une taxe sur les sodas. Oui. Ensuite, je me suis dit que vous étiez plus libre dans la loi. Mais là, il est libre quand tu parles de lui. Il est libre. Là, depuis 5 minutes, vous parlez un peu vrai. Vous êtes un peu familier, un peu grossier, un peu sympa, quoi. Mais depuis 5 minutes. Vous savez, c'est votre collègue. Mais il a. C'est votre collègue Gérald Darmanin qui a dit récemment au journal Le Monde cet été, qui a dit il faut qu'on apprenne, nous, dans la Macronie, à parler avec nos tripes. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ils parlent avec leurs tripes. Nous, on ne sait pas faire. Et il n'a pas tort. Moi, Michel, vous avez dit un truc qui m'a interpellé. Vous avez dit Mitterrand a dit la France n'a pas de mémoire. Et ça m'interpelle parce que je me dis... Il en savait quelque chose. Non, bien sûr, certainement. Et je dis simplement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois que la France n'a jamais basculé dans les extrêmes. Donc je me demande si quand même la France n'a pas un peu de mémoire, moi, parfois, en se disant que, justement, dans l'entre-deux-tours, on n'a pas envie d'aller dans un extrême ou dans un autre. Et je crois que la France, parfois, a cette mémoire-là, moi. Heureusement. Voilà. Pourvu que ça dure. Allez, on va terminer. Paul de Saint-Sernin et le protocole. Olivier Véran, vous avez beaucoup de mal ce soir à vous positionner sur le sujet de la fin de vie. Moi, je pense que parfois, si vous n'avez pas pu donner votre avis, moi, je vais donner le mien, je vais être sérieux, vraiment 10 secondes, parce que ça me touche. Je pense que parfois, c'est aux proches aussi de donner son avis et de dire, voilà, ça suffit, on a tous beaucoup trop souffert, ça fait 24 ans, on débranche vivement dimanche. C'est ça.
Vous, vous n'allez pas aller bien, moi, en télé, hein, je vous le dis. Hein. Votre carrière finie. Un peu kamikaze. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Faut y aller, hein, ça t'a qu'à Michel Drucker, il y va. Photocall, vous connaissez le principe. Oui. Je vous montre des photos. Allons-y. Spontanément, la première question que vous poseriez à cet homme ou cette femme-là. Je commence par Elisabeth. Non, vous reprenez votre pose de ministre, là. Arrêtez-vous comme vous étiez là. Votrez-vous. J'ai ma première ministre sur un grand écran. Évidemment que je prends ma pose de ministre pour pas m'affaler pour parler à la première. Mais non, mais c'est alors, quelle question vous la posez spontanément. Honnêtement, ce soir, je l'épargne. J'en pose tous les jours, tout le temps. Donc, trouve un truc. Mais j'arrête pas de lui poser des questions. Ce soir, je lui fous la paix. Agnès Buzyn, comment est-ce qu'elle va? Non, parce que j'aime beaucoup Agnès Buzyn. Ah non, mais... parce que j'aime beaucoup Agnès Buzyn et la séquence, je sais, est extrêmement difficile pour elle humainement. Elle avait préparé le terrain. Moi, j'ai trouvé, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, je trouvais un ministère de la Santé qui était en ordre de marche et ce n'est pas évident. Elle s'en prend plein, enfin franchement, elle s'en est pris plein la tronche. Et donc, moi, je veux juste savoir comment elle va. Elle avait alerté à l'avance, personne ne l'a écouté, si c'est vrai. Elle avait alerté à l'avance qu'il y avait un problème en Chine et personne n'a voulu. Non, puis elle avait préparé les choses. Ouais. Didier Raoult, si vous l'aviez en face, vous lui posez quoi comme Joker, plus de questions à lui poser. Vous aviez un Joker, c'était Elisabeth Borne. Non, mais quelle que soit la réponse de Didier Raoult, je ne la considérerais pas comme forcément véritable. Le reste n'a pas d'intérêt. Voilà, très bien. Aucune question. À poser à Raoul. Vous êtes dur dans votre livre avec Didier. Oui, je l'appelle la sirène du vieux port et j'explique que c'est. Et c'est pas une contrepétrie. Bah ça, c'est drôle, ça. C'est pas une contrepétrie. Port, vous l'écrivez comment Je l'ai écrit avec un T parce que j'ai du respect quand même. On a tellement dit, en fait, on en a trop dit. Enfin, je veux dire, le mec a fait la couve de Paris Match deux ou trois fois pendant la crise Covid. Enfin, pardon, top, Emmanuel quoi. Macron est allé lui rendre visite et a rendu hommage aux grands scientifiques. Il a fait le tour de toutes les équipes scientifiques en virologie française. Non, c'est pas vrai, vous le savez. Non, là, vous le savez. Allez, j'ai fini ma question. Ouais. Il reprend sa pause. J'ai fini ma question. Allez, Jean-Luc Mélenchon. Si vous aviez Jean-Luc Mélenchon devant vous, vous lui posez quoi comme question? Vous pouvez me rappeler le nom du président de la République qui a été élu, s'il vous plaît? Brigitte Très Macron, heureux. Quelle question? Vous avez Brigitte Macron devant. On va voir si vous êtes faux cul ou pas. Allez, quelle question vous lui posez? Je l'ai vu hier. Regardez. Faustine, analyse Faustine. Je l'ai vu hier. Ça me permet de parler juste une... deux secondes un peu sérieux d'une cause. Parce que je l'ai vu hier, parce que hier, c'était... Enfin, avant-hier, c'était... Quel jour? C'était jeudi. C'était le Duo Day. C'était le jour où on fait des binômes avec des enfants qui sont en situation de handicap ou des jeunes en situation de handicap. Et donc, moi, j'avais un binôme que je salue, Alban, grenoblois. Et puis, tous les ministres avaient aussi un binôme. Et elle nous a réunis à Matignon pour déjeuner avec eux. Et donc, ça Quelle nous a est la question La question, c'est qu'elle... On a oublié. Pourquoi faire de la politique? Est-ce que tu as aimé le Duodet? Est-ce que tu as aimé le Duodet? Quelle expérience elle en retire? Et comment est-ce qu'on peut faire encore développer le dispositif pour donner plus de place à la question du handicap dans la société? Vous allez avoir une gommette, hein. Ouais. Je m'attendais à un truc un peu plus rock quand même. Oui, mais elle est quand même très impliquée dans beaucoup de choses. Elle est formidable. S'occupe de la Fondation des Hôpitaux de France, capotes, dire. Notamment. Moi, pendant le Covid, on a fait. Oh là là là. Vous savez, pendant le Covid. Mais oui, mais bien sûr. L'expérience que j'ai passée. On peut se marrer, Brigitte Macron. On peut se marrer. C'est un peu rock. On peut se marrer quand même. On peut se marrer, c'est ça. Elle a de l'humour, Brigitte Macron. Vous allez très bien faire de l'humour. Je sais qu'elle a de l'humour. Oui, mais là, vous nous faites une réponse. Parce que ce que j'ai en partage avec elle, c'est pendant 2 ans et demi de ministère de la Santé, on a visité des services hospitaliers avec des trucs qui étaient compliqués. Mais il ne peut pas dire peut-être qu'elle enlève sa jambe de bois. Faites une vanne. Mais oui. Franchement, c'est pire en Albanie. Hein. Allez. Cyril Hanouna, quelle question vous lui poseriez? Vous êtes allé chez lui? Non, jamais. Il vous a invité? Oui, plein de fois. Vous avez dit non? Quand j'étais à la Santé, ouais. Pourquoi? J'y suis pas allé parce que pendant la période, Génial, Covid. Passion Faustine, toutes les semaines. Vous pouvez poser des questions. Pendant la période Covid, je suis pas allé dans tous les médias. Par contre, je suis porte-parole aujourd'hui, je dois aller partout. S'il m'invite un jour, j'irai. Quand on touche la cravate, ça craint. Ouais, gestuelle, on est comment? Gestuelle, là, on est moins gestuelle. On est mal à l'aise, on a besoin de respirer ta globe. Non, mais si on parle, monsieur a essayé au poker, mes copains vous diraient, quand je joue au poker, les mecs savent exactement quand je bluffe en fait. Donc, c'est intéressant finalement de faire la politique quand on ne sait pas bluffer. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'ARCOM doit le sanctionner pour ce qui s'est passé ou L'ARCOM a été saisi, je crois que déjà sur cette déclaration sur la justice un peu expéditive qu'il prenait, il a été sanctionné.
Voilà, non, ma question, c'est de dire, en fait, vous avez un public aujourd'hui qui est dense, qui vous suit, qui vous fait confiance. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une responsabilité au regard justement de ce public, dans les propos que vous tenez, la façon dont vous tenez un certain nombre de débats? Je ne dis pas que tout n'est pas bon, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais parfois il y a des outrances et des excès. Et moi, j'en ai ras-le-bol que sur les réseaux sociaux, que sur certaines chaînes de télé maintenant, on se fout en permanence tous sur la gueule, qu'il n'y ait plus de respect entre les uns et les autres, et après on se plaint qu'il y a de la violence dans notre société. Connard. Je regarde beaucoup la télé. Vous êtes vraiment gonflé. Vous savez ce que ça va faire, ça? Ça va faire un article sur gala.fr avec un gérant se fait traiter de connard. Moi, je regarde beaucoup la télévision, beaucoup, parce que c'est mon métier, j'adore ça. Je vous ai beaucoup vu. Vous avez fait des passages très, très nombreux depuis 2 ans pour toutes les raisons qu'on connaît. Il y a une émission que je ne vous ai pratiquement jamais vue. Vivement dimanche. Non. J'ai arrêté. Non. Je vous ai rarement vu sur CNews chez Pascal Pro. J'y suis jamais allé. Jamais, c'est bien ça. Pourquoi? Pendant 2 ans et demi, parce que je... J'ai fait la poule. Elle est redoutable. Quand ils m'ont invité plusieurs fois, je leur ai dit, c'est ou Perron et Raoult ou moi. Voilà. C'est que, ministre de la Santé, il fallait aussi que je fasse attention, ou je portais une parole sérieuse et crédible, et donc je ne voulais pas crédibiliser des émissions qui avaient choisi délibérément le côté obscur du communiqué. Donc Hanouna, pourquoi pas, mais lui, non. Non, mais je suis allé sur CNews depuis, parce que je suis porte-parole, encore une fois, maintenant, et donc le climat a changé, etc. Mais j'ai fait le choix, et je l'ai assumé, de ne pas y aller. J'en ai pas fait non plus une gloriole, vous l'avez remarqué. Merci pour ça. Si vous aviez Olivier Véran en face de vous, vous lui poseriez quoi comme question? Souris peut-être sur cette photo. Quoi? T'en as pas marre? T'en as pas marre, ouais. On va boire un coup. Ouais. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir été avec nous. Michel, je vous libère. Merci. Merci infiniment. On vous retrouve au Théâtre Marigny. Tous les samedis, tous les dimanches, Michel Drucker, comme vous l'avez jamais vu. Allez voir. Hein. Vous reviendrez. Ah, Paris, je vais vous voir. Ah, ben, venez me voir. Merci, Léa. Merci, je me sauve. Je peux ajouter un petit mot? Oui. Demain, dans Vivement Dimanche, c'est un hommage à Jean Gabin et j'y tiens beaucoup. Bah, très bien. Bravo. Monsieur le ministre, vous restez avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui a bouleversé les Français, l'histoire de Shaina, une fille de 15 ans brûlée vive à Creil dans l'Oise il y a 3 ans. Shaina était victime de la rumeur, de la mauvaise réputation de fille facile que les jeunes de son quartier lui ont collée, qui s'en sont pris physiquement à elle pendant plusieurs années, avant donc de la brûler vive. 3 ans après le drame, un documentaire édifiant porté par son grand frère et accessible sur Vakita, le nouveau média d'investigation, revient sur l'affaire pour ne jamais l'oublier et pour empêcher d'autres drames. C'était notre petite poupée. On vit pas, on est mort avec Shaina. Hein. Ma sœur et moi, on avait une très grande complicité. Le corps calciné était bien celui de Shaina. Elle était belle. C'est d'une atrocité inimaginable. Elle aimait bien avoir des amis. Jibril et sa bande, ils ont tué Shaina une première fois. Shaina, elle aimait bien rigoler. Comment c'est possible? Des monstres comme ça existent. C'est comme une princesse pour moi. Ça l'a menée à sa mort. On est parti à sa recherche. Shaina commençait à recevoir des menaces. Le problème, c'est que la réputation ici, ça nous colle à la peau. Tout le monde disait que c'était une fille facile. Et on accueille tout de suite dans quelle époque Yacine Hansi, vous êtes le frère de Shaina et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour nous parler ce soir. Vous êtes accompagné de Maître Negar Eiri, vous êtes l'avocate de la famille de Shaina. Yacine, vous êtes le grand frère de Shaina, de 7 ans son aîné. Pourquoi vous parlez aujourd'hui dans ce documentaire? Pourquoi vous avez accepté notre invitation? Pour qu'on parle de Shaina, qu'on ne l'oublie pas ou pour que ça ne se reproduise plus ce qui lui est arrivé? C'est exactement ça. Pour moi, c'est très, très important de parler de ma petite sœur pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Parce que c'est quelque chose de très, très grave ce qui est arrivé. C'est inimaginable. Enfin, et pour moi, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui a ramené vers son décès, c'est une réputation. Et j'essaye d'une certaine façon aussi, en tant que grand frère, de sensibiliser.
de sensibiliser et de nettoyer aussi cette réputation pour montrer à tout le monde qui était vraiment ma petite sœur. Alors, qui était votre petite sœur? Quel enfant elle était? Oh, je pourrais en parler pendant des heures. Si je devais dire quelque chose de ma sœur, déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Ma petite sœur, pour moi, c'était ma meilleure amie, ma confidente. Et j'étais toujours avec elle. Quand je travaillais pas, quand je sors, je sens, on partait faire les magasins. C'était toujours avec elle. Enfin... Son histoire. Elle a 13 ans et comme beaucoup de filles de son âge, Shaina a un petit ami. Un petit ami qui s'appelle Djibril. Sauf que Djibril s'avère être un garçon qui va la faire chanter. Il va la faire chanter, il va la prendre en photo dénudée. Il va l'agresser sexuellement avec d'autres amis. Et tout va commencer... Il va filmer. Voilà. Le chemin de croix va commencer parce qu'il va filmer, parce qu'il va diffuser ses photos d'elle dénudée à 13 ans sur Snapchat. Et là va commencer l'horreur pour elle. Exactement ça. C'est à partir de tout ce que vous venez de citer que la réputation s'est très vite propagée dans ma ville, à Creil. Comme une fille facile. Comme une fille facile, exactement. Vous dites même dans le documentaire, ma petite sœur, on l'a traitée de pute. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça, malheureusement. Elle va se faire agresser sexuellement, elle va porter plainte, elle va essayer de se reconstruire. Pendant 2 ans, elle va changer de collège. Mais 2 ans après, il va la retrouver, Djibril. Et là, de nouveau, il va la passer à tabac. Il va la frapper avec une dizaine d'autres garçons et il lui met un coup de pied à la mâchoire en se vantant d'avoir marqué un pénalty contre la fille facile. Dès qu'on a su qu'elle s'est fait agresser sexuellement, malheureusement, je suis obligé de dire agresser sexuellement, même si j'ai d'autres opinions, on a porté plainte. On a porté plainte. Mes parents et moi-même, on est partis à l'hôpital pour faire un compte-rendu. On a galéré pour avoir l'aide aux victimes, pour avoir un avocat. Ma sœur a eu un psychologue. On a changé d'établissement à ma petite sœur. Et nous, on a fait en sorte... De la protéger, quoi. De la protéger. C'était la dernière, c'était ma petite sœur, c'était la princesse. Et c'était tout pour nous. Mais vous dites qu'elle est au bout de sa vie à ce moment-là. Non, elle n'est pas au bout de sa vie. Elle n'est pas au bout de sa vie, puisqu'il y a cette affaire avec ce garçon, Djibril. Et puis ensuite, elle va rencontrer, à 15 ans... un autre garçon qui s'appelle Omar. Omar, avec qui elle va avoir une histoire avec lui. Elle croit qu'ils sont amoureux, que tout va bien. Et lui, il la prend pour une fille facile. Bah, c'est un peu ça, l'histoire. C'est à cause de la réputation. Même, il y a quelque chose entre eux. Elle tombe enceinte de lui. Elle lui dit. Comment il réagit? Bah, comme vous le savez, pour lui, c'était aujourd'hui le principal mis en cause. Pour lui, c'était inimaginable de mettre enceinte la fille facile du quartier. Et sa seule réaction pour lui, c'était quoi finalement? C'était de brûler ma sœur. Parce que voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand elle lui dit ça, il lui donne rendez-vous dans un endroit. Il lui donne rendez-vous dans... D'abord, pardonnez-moi si je peux vous aider. Il lui dit qu'il n'en veut pas. Elle insiste. Il lui dit qu'elle n'en veut pas. Il lui dit, bon, ben viens, on va parler. Et elle le croit. Parce qu'elle, elle veut garder cet enfant, en fait. Je crois, hein, si j'ai bien regardé ce documentaire. Et il lui dit, bon, écoute, alors on va s'expliquer. Voilà. Et là, il lui donne rendez-vous et qu'est-ce qui se passe? C'est dur de dire ces mots, mais il poignarde ma sœur par plusieurs coups de couteau avant de brûler ma sœur. De la brûler entièrement. Calciner entièrement. Et vous la cherchez le lendemain, pendant plusieurs jours, vous la cherchez? Vous vous rendez sur un lieu parce qu'on dit qu'il y a un corps qui a été retrouvé. Vous allez voir l'enquêteur, vous.
Et l'enquêteur vous dit, est-ce que votre sœur elle a un appareil dentaire, est-ce qu'elle a une bague? Et vous dites oui aux deux. C'était quand j'arrive sur les lieux du crime, c'était les deux questions qui m'ont été posées par l'enquêteur, parce qu'il faut savoir, à ce moment-là, il y avait aussi une autre fille qui était portée disparue. Et là, vous comprenez. En voyant le visage de l'enquêteur, vous comprenez. C'est ça, il me pose ces deux questions-là, en me disant, est-ce que ma petite sœur avait un appareil dentaire du bas et une bague en or. Et d'ailleurs, j'ai ramené la bague en or pour vous montrer. De ce qui reste de ma petite sœur, physiquement. Des souvenirs, il y en aura toujours dans le cœur, ça va rester à vie. Mais de Shaina, pour vous dire... Regardez. On a seulement ça d'elle. Vous comprenez pourquoi on fait en sorte d'en parler pour que ça ne tombe pas dans l'oubli et qu'elle obtienne enfin justice. Dans le documentaire de Vakita, la réalisatrice donne la parole à la meilleure amie de Shaina, qui parle des circonstances de la mort de son amie, qui parle de cette saloperie de rumeurs qu'elle avait. Je m'appelle Laure, j'ai 17 ans et j'étais une amie de Shaina. Le problème, c'est que la réputation ici, quand on en crée une, et ben, ça nous colle à la peau et on va pas nous lâcher. Bah, Shaina, ils lui ont fait une réputation de fille facile alors que c'était pas du tout ça. Et ils l'ont pas lâchée jusqu'à sa mort et même après, puisque même après, ils continuent à dire qu'elle avait mérité ce qu'elle avait eu puisque c'était une fille facile. Maître Aéré, vous êtes l'avocate de la famille. C'est vraiment ça, en fait. C'est mourir à cause de la rumeur. La question de la rumeur, elle est très intéressante dans ce dossier. C'est vrai que on s'imagine en fait que lorsque vous déposez plainte à 13 ans et que vous avez déjà une rumeur qui vous colle à la peau, il y a un moment donné où l'autorité de la justice va mettre un terme à cette rumeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu presque un effet contre-productif à porter plainte, puisque cette rumeur de fille facile a été absolument cristallisée, en fait. Et Shaina, elle a eu le courage de porter plainte à 13 ans et on ne le lui a pas pardonné. Ni la justice, parce qu'on ne l'a pas cru, ni les agresseurs, parce que voyant que la justice s'en désintéressait, ils ont considéré qu'ils n'étaient pas responsables et ont poursuivi. Faustine. Ce que je trouvais d'ailleurs affolant, c'est que quand elle a porté plainte, et j'avais envie de dire ça, puisque vous parlez de votre sœur, elle a été tellement courageuse, elle est portée plainte à 13 ans, il y a des femmes qui n'arrivent pas à le faire, des décennies plus tard, elle a été déterminée jusqu'au bout. Et ce qui est incroyable, et ce qui soulève également des questions politiques, c'est que, politique en tout cas, sur l'accueil qui a été reçu, puisqu'en effet, parce qu'elle ne montrait pas, vous me dites, parce qu'elle ne montrait pas de façon expressive de honte, de culpabilité, on lui a dit que forcément, on ne la croyait pas. Ça, c'est le problème de la sidération. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que ces gens qui sont victimes, ces jeunes personnes, elles sont dans un effet de sidération. De froideur, et donner l'impression de froideur. Quand on parlera du Bataclan, où la façon de s'exprimer est sans non expressive. Mais il aurait dû le savoir, les policiers, en fait. Exactement. La police peut croire que, alors s'il n'y a pas beaucoup d'expression... C'est que, Et elle a été harcelée par la suite, vous avez raison, ce qui est affolant, savoir que la police n'ait pas été, compétent pour accueillir ce témoignage et accueillir cette accusation, parce qu'on l'a trouvée froide, on a dit, et après elle y est retournée, et à 13 ans, elle a été déterminée, elle a été reportée plainte. Peu importe, j'ai envie de dire, de ses mœurs. Pour moi, cette petite fille, parce qu'on parle d'une petite fille, c'est aussi une héroïne, quoi. Une héroïne, parce qu'elle a vraiment, elle était, encore une fois, elle a dû changer de collège, harcelée, elle avait des insultes au quotidien, elle s'est relevée, on l'a tabassée, elle est allée reporter plainte. Enfin, elle est héroïne et c'est une tragédie. C'est-à-dire que tu te dis à un moment ça va bien se terminer, ben non. Elle termine brûlée vive après 2 ans de sale réputation. Qu'est-ce que vous avez envie de demander au ministre? Parce qu'aujourd'hui, le procès n'a pas commencé. Le procès de son agresseur présumé n'a pas commencé. Monsieur le ministre, ça fait quand même 3 ans qu'elle est morte. Comment c'est possible? On peut se demander. La première agression, celle de Djibril, qu'il avait agressé sexuellement, qui avait diffusé cette vidéo sur le Snapchat, ça a été du sursis. Et celui qui l'a de manière présumée tué, il y a 3 ans, le procès n'a pas commencé. Alors, on peut se demander, vous me dites, on met des moyens sur la justice pour que la justice aille vite, là, ou soit pas laxiste. D'abord, je salue le courage. Et vous venez témoigner aussi sur un plateau, et votre témoignage est bouleversant. Moi, j'avais été bouleversé, évidemment, par l'histoire de Shaina.
qui en dit aussi long sur partie de l'évolution de notre société. Ça ne devrait pas être pensable. Et ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas arrivé une fois, cette petite fille, c'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs personnes. De tout dans un milieu qui, a, vous l'avez dit vous-même, a considéré qu'elle était quasiment responsable de ce qui lui arrivait, ce qui en dit, pardonnez-moi, très très long sur l'état dont une partie de la société peut voir la place de la femme et des petites filles aujourd'hui. C'est un véritable sujet. C'est un véritable sujet qui fait appel à l'éducation. Il y a des choses qu'il faut reprendre complètement. Vous ne pouvez pas me demander d'avoir un avis, Christophe de Chavannes, sur la nature d'une décision de justice, parce que par définition, moi je suis l'exécutif et je ne peux pas me soustraire à une décision d'un magistrat. Et d'ailleurs, vous, tant mieux. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne veux pas ministre. Que la justice soit politique, c'est le magistrat qui Alors, décide. Alors, juste, qu'est-ce que vous, vous contre, avez envie que de lui dire? La justice soit longue, qu'il puisse y avoir un temps d'instruction, ça c'est madame qui est avocate qui pourra mieux répondre que moi, qui a besoin d'aller au bout des choses pour avoir l'ensemble des arguments, des éléments, des études, des analyses pour pouvoir juger au mieux, ça c'est une chose. Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un manque de moyens dans la façon dont le dossier de China, enfin l'histoire de China devant les tribunaux était appréhendée? De manière générale, la justice manque de moyens et les magistrats et les greffiers sont submergés et n'ont pas la possibilité de travailler dans des conditions décentes. Ça, c'est un premier point. Donc de toute façon, il faut des moyens. Maintenant, il y a un moment donné où c'est vrai que la justice nécessite du temps. Vous savez très bien, dans les audiences de comparution immédiate où la justice se rend en 36 heures, on rend des décisions automatiques et catastrophiques. C'est une justice archaïque. La justice rapide, elle est dangereuse. Il faudrait un juste milieu, mais dans le cadre de la question sexuelle, c'est surtout un désintérêt pour ces affaires-là. Le problème, il est là. Les attentats du 13 novembre, on en parlera tout à l'heure, mais la procédure était impeccable, elle a été faite parfaitement, il n'y a pas eu de vice de procédure qui aurait pu mener à une nullité. Dans la deuxième affaire d'agression sexuelle concernant Chaïna, il y a eu à un moment donné un vice de procédure et une partie de la procédure a été annulée. Et ça c'est un désintérêt des individus. Vous avez envie, de dire quoi au ministre? Vous avez envie de dire quoi ce soir aux gens qui vont vous regarder? C'est pareil, c'est très long pour nous parce qu'il ne faut pas oublier, la vie continue pour nous et nous on doit vivre avec ça. Et ne serait-ce une seule journée, c'est comme si c'était interminable. Vous vous rendez compte, la première affaire, ça va faire maintenant 5 ans. On a eu le temps de voir Chaïna décéder et, c'est pas, et le procès en appel n'a toujours pas eu lieu. On ne sait pas quand ça aura lieu. Ça va faire quoi? Rien pour ce premier procès, ça va faire 6, 7 ans. Des fois, je me dis, même si ma sœur était là, imaginez la souffrance si elle était présente dans le tribunal et elle aurait entendu cette décision. Finalement, qu'elle soit vivante ou morte, ça ne change rien. Elle l'aurait mal vécu. Ils ne se sont pas excusés, hein? Oui. C'était 2 jours de procès. 2 jours de procès où on a... C'est une grande victoire pour nous parce qu'on a su montrer à tout le monde que Chaïna était la victime. On a reconnu que Chaïna était la victime et elle avait raison tout ce qu'elle a dit. Mais eux, Djibril et ses copains qui l'ont agressé sexuellement, ils ne sont pas excusés? Ils ne se sont pas excusés. Au jour d'aujourd'hui, ils sont libres. Et c'est ça que je reproche un peu. On n'a pas été assez... Soutenu. On n'a pas appris vraiment l'affaire de Chaïna au sérieux. C'est une justice plus humaine, c'est une justice qui arrive à prendre le temps et donc à dégager des moyens du temps pour mieux s'occuper aussi des victimes et des accompagnants. Mais justement, sur la bague, maître Aïri a fait le nécessaire pour qu'on puisse récupérer la bague qui était sous scellé. On avait rendez-vous avec le service qui s'occupe justement des scellés au tribunal de grande instance à Senlis. Et finalement, on est vite rentré pour vite ressortir. On a fait la queue à l'accueil pour récupérer la bague. Une fois donnée, on nous a demandé, ils nous ont indiqué la sortie. C'est plus agréable d'acheter du pain dans une boulangerie. Quoi vous dire? Votre témoignage est bouleversant. Comment vont vos parents aujourd'hui? Ils vont, ils vont,
ils vont très, très, très mal. C'est difficile à vivre, que ce soit financièrement, moralement. Comme je vous ai dit, on fait confiance à la justice, mais on est dans le néant. On ne sait pas à quoi s'attendre demain. Mais en attendant, on doit vivre avec ça. C'est... En tout cas, le documentaire, il est sorti il y a quelques jours et vous avez reçu des tonnes de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça apaise un peu ? Ah oui, ça change la donne. Franchement, quand on voit qu'on est soutenu par des millions de Français, franchement, comment dire ? Ça nous donne envie de continuer à nous battre jusqu'à ce que Shaina obtienne justice. Ce que vous attendez, c'est que ça se passe, quoi. Maintenant, il faudrait que ça se passe. Ça fait quelques années maintenant, maître. Ça fait combien ? Alors, la première agression date de 2017. Oui, mais celle-là a été jugée. Elle a été jugée, mais il y a un appel. Ça fait 3 ans. En fait, tout est à refaire. Et juste, je me dois quand même de vous le dire, la raison pour laquelle ils ne se sont pas excusés les mises en cause de la première affaire, c'est qu'ils contestent les faits, ce qui est tout à fait leur droit. Et c'est la raison pour laquelle ils ont porté plainte. Et rien n'est, enfin, ils ont fait appel, pardonnez-moi. Et rien n'est définitif dans cette affaire. C'est-à-dire que tous les mises en cause sont aujourd'hui présumés innocents. Merci Yacine, merci infiniment, continuez de vous battre. Et on peut voir votre témoignage, ceux de vos parents, cette affaire, en 3 épisodes sur la nouvelle plateforme Vaquita. Ça a été réalisé par Ambrine Bdida. C'est un documentaire édifiant. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci infiniment. On va vous laisser partir. Vous, on vous garde parce que le dernier sujet qu'on va aborder, ben, vous étiez partie prenante. Vous êtes une des avocates de ce qu'on a appelé le procès du siècle. C'est le QMQQ de Christophe de Chavannes. C'est son invité. Et c'est tout de suite. You Soldier Boy, check. Hey, I got the new damn for y'all. Call it a Soldier Boy. Votre invité cette semaine, mon cher Christophe, c'est un excellent reporter de guerre qui est là, mais qui n'est pas reporter de guerre, qui est dans les prétoires, qui est avec nous depuis le début. Qui était mon voisin de droite depuis le début de cette émission, mais je vais quand même le présenter. C'est un reporter de guerre, vous l'avez dit. Vous avez vu naître l'État islamique en 2014 en Irak, où vous découvriez avec horreur une jeunesse perdue de différents pays qui trouvaient refuge dans cet État vengeur et bourreau. Alors c'est loin, c'est en Irak, c'est à Mossoul, à Raqqa ou ailleurs. Et vous n'imaginez pas que le 13 novembre 2015, c'est à Paris que vous assisteriez aux premières loges et aux premiers attentats kamikazes de masse qui allaient nous marquer tous pour toujours et abîmer tant d'âmes. Vous étiez présent devant le Bataclan après quelques minutes du début des attentats. On va écouter ça. Direction la place de la République, où se trouve l'un de nos reporters, Anaïs, Guillaume Audat. Guillaume, vous êtes place de la République, que se passe-t-il autour de vous ? Non, Antoine, je suis boulevard Richard Lenoir, à peine à quelques centaines de mètres du Bataclan, où apparemment, selon plusieurs témoins, une fusillade également aurait eu lieu, alors qu'il y avait un concert. Il y a en face de moi plusieurs camions de pompiers, des unités de soldats, des forces de gendarmerie, probablement du RAID. J'ai entendu plusieurs détonations, plusieurs coups de feu, probablement des coups de feu tirés à l'arme automatique. Il semble que les policiers sont très nerveux autour de moi et qui bouclent en ce moment même le périmètre, soit en train de chercher les assaillants qui, encore une fois, d'après ce que j'ai entendu, mais très rapidement, parce que je viens d'arriver sur les lieux, j'ai vu un homme en pleurs. Et d'après un témoin, des hommes sont entrés à l'intérieur de cette salle du Bataclan et auraient fait feu. Il faut évidemment prendre ces informations encore avec beaucoup de prudence. Alors Guillaume Audat, c'est votre nom parce que je n'ai même pas donné votre nom. Le conditionnel là, dont vous parlez va basculer dans la réalité en très très peu de temps. Et tout le monde, je crois, se souvient où il était ce soir-là. C'est un peu comme les attentats du 11 septembre. Ce sont des choses absolument incroyables où on sait où on était. Et 6 ans plus tard, vous allez vous immerger pendant près de 10 mois, de septembre 21 à juin 2022, dans ce procès qui sera historique, enfin, j'espère, enfin qu'il l'est probablement déjà, un peu à la manière d'un Joseph Kessel pendant le procès Pétain. Et vous allez rapporter tout ce que vous voyez et tout ce que vous y entendez. Alors moi, j'ai découvert ceci au tout début, quand vous avez commencé à tweeter, et je ne savais pas qui vous étiez, en fait. Je ne savais même pas que j'allais vous rencontrer ce soir, ce jour-là. Et j'ai suivi au jour le jour les comptes rendus que vous faisiez du procès, par tweet, par fil même de tweet, parce que je crois que vous avez fait combien de milliers ? 8300. 8300. À peu près, un peu plus même. Et j'étais avec une compagne qui me disait, mais comment tu fais ?
Parce que tous les soirs, je regardais ce que vous racontiez. Et évidemment, quand ça a été la période de témoignage, ça a été extrêmement fort et très difficile. Alors, avant que vous nous parliez du procès et de tout ce qui s'est passé, y compris avec les avocats, dont votre voisine de droite, dans ce livre qui s'appelle « Jeune à crever », et vous nous direz pourquoi ce titre tout à l'heure, mais on va vite le comprendre, parce qu'en fait, il s'agit de jeunes avocats, de jeunes victimes et de jeunes assassins. Absolument. En gros. Absolument. Donc, ce procès hors norme, je voudrais juste, puisqu'on parle des témoins, alors au risque d'être un peu lourd, je suis navré parce qu'on sort d'une histoire épouvantable, je voudrais juste lire quelques lignes de la première témoin que vous relatez, qui s'appelle Maya. Absolument. Et qui dit ceci, c'était ma bande de copains, on se voyait tous les vendredis soirs au Carillon, c'était notre QG. On n'avait même plus besoin de se dire où on se retrouvait. Et ce soir-là, on était cinq autour de la table, je me souviens parfaitement de nos discussions. Je ne le fais pas sur son ton à elle, hein. Je suis un peu plus rapide et un peu plus raide. Hein. Je me souviens parfaitement de nos discussions, j'avais 27 ans, ils en avaient 29, on parlait de leur anniversaire de 30 ans. Trois sont tombés sous les balles, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Ni Amine, ni Charlotte, ni Émilie n'ont fêté leurs 30 ans. Nous étions cinq et d'un coup, nous n'étions plus que deux avec Mehdi. Nos chemins se sont séparés, c'était trop dur pour lui. Il ne m'a plus donné de nouvelles et moi, ce soir, je suis seul à la barre. Elle se souvient qu'elle a cru voir Amine, Émilie et Charlotte, c'est vous qui le dites, se cacher sous la table alors qu'ils mouraient à cet instant. Alors elle s'est cachée aussi par instinct de survie, tapis sur le trottoir, entre le caniveau et les roues d'une voiture recroquevillée pour éviter les balles. Et pourtant, plusieurs ont atteint ses jambes. Sur le coup, elle n'a pas senti la douleur. Quelques instants après, sont les premiers mots des secouristes. Ils résonnent encore. « Les conscients d'abord, occupez-vous des conscients !» Je me relève, je cherche Amine des yeux, raconte-t-elle. Je le vois au sol, il est étendu sur le dos, les yeux ouverts. Je sais tout de suite qu'il n'est plus là. Je ne vois pas ses blessures, je ne vois pas le sang, ni les impacts. Je ne vois pas les 22 impacts qui ont traversé son corps, qui ont touché ses poumons, son foie, son cœur. Tout ce que je vois, ce sont des yeux vides, c'est le néant et je sais qu'il est mort. Émilie et Charlotte ne bougent plus. Je pense à ce moment qu'elles sont mortes aussi. Ça, c'est l'histoire de Maya. Elle a 33 ans. Elle est un peu celle de centaines du blessé du 13 novembre que vous avez pu voir et écouter et raconter dans ce bouquin. Absolument. Et en plus, Maya, bon, elle était véritablement bouleversante. Elle est arrivée pâle, gracile. Elle flottait dans son t-shirt trop large pour elle. Elle avait une voix extrêmement douce. Et puis surtout, elle a posé des enjeux de génération. Elle parle de Amine, l'homme de sa vie, avec lequel elle s'était mariée une première fois au Maroc et puis en France. Elle parle de ses amis qui étaient architectes. Elle parle de ses amis qui étaient serveurs, graphistes. Elle pose des enjeux de génération et elle raconte ces jeunes à crever sur lesquels on a tiré prosaïquement comme sur du gibier. C'est ça que ça À l'abattoir, je dirais même, moi. Pardonnez-moi ? Je dirais à l'abattoir, parce que le gibier, il a quelquefois ses chances. À l'abattoir, non. Oui, il y a quelque chose de toute façon de cet ordre-là qui s'est déroulé très prosaïquement. Et 6 ans après les faits, elle vient le raconter sans pincette, mais en même temps avec une douceur. Et elle emporte la salle d'audience à ce moment-là parce qu'elle nous parle de nous, en fait. Elle parle de cette jeunesse qui est évidemment multiculturelle, qui est bien insérée à Paris, qui est encore une fois graphiste, qui est instituteur, serveur, bref, tout le monde. On peut être Amine, on peut être Maya, on peut être Charlotte, on peut être Aminata. Et c'est ça qu'elle raconte, Maya. Et tout de suite, elle pose encore une fois des enjeux qui sont extrêmement importants et qui font que moi, à ce moment-là, je comprends qu'il s'agit d'une génération qui a été balayée à ce moment-là. Votre premier tweet, je m'en souviens, c'était celui sur Salah Abdeslam, que tout le monde, dont tout le monde parlait évidemment. Et vous écrivez, vous le décrivez, toute noire vêtue, physique athlétique, barbe longue. J'ai délaissé tout. Et il répond au juge Périès, voilà. J'ai délaissé toute profession pour devenir combattant de l'État islamique. Comment réagit la salle à ce moment-là ? Eh ben, en fait, elle sourit parce que le président de cette cour d'assises spécialement composée, le juge Périès, lui dit « Ah bon, il regarde un petit peu ses notes, il dit « Ah bon, j'avais noté intérimaire assez stoïquement. » Et là, du coup, il y a des sourires de soulagement dans la salle parce qu'on sent qu'il y a un duel qui va évidemment s'installer entre le juge Périès et le principal des accusés de ce procès. Et tout de suite, le juge Périès pose les débats et lui dit « Attention, ici, c'est moi un peu le patron et c'est moi qui vais un peu installer la manière dont les débats vont être conduits. » Je pense que ça l'a déstabilisé, Salah Abdeslam. Il ne s'attendait peut-être pas à la saillie du juge Périès qui a mené cette audience un peu sur ce ton, parfois un peu débonnaire, parfois bienveillant avec les accusés, mais toujours strict. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que des témoins, des accusés, des parties civiles, des victimes disent « Ils ont été les plus forts ce soir-là,
ils ont mené, entre guillemets, les débats ce soir-là avec leur Kalachnikov. Et aujourd'hui, c'est nous qui menons les débats, c'est nous qui sommes les plus forts. Ouais, c'est magnifique, ça. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue juste après, d'ailleurs, que Salah Abdeslam se soit exprimé, se soit posé en tant que combattant de l'État islamique, un peu claironnant. Et c'est Antoine de mémoire qui me dit, ouais, voilà, le rapport de force est inversé. Ça y est. Antoine, c'est un... C'est une victime, il était au Bataclan, et il me dit, le rapport de force est inversé. Ça y est, nous, on répond par le droit. On va les juger pendant 10 mois, on va tout décortiquer, on va savoir comment est-ce que ça se construit, une cellule terroriste, comment est-ce que des jeunes comme ce type-là, à un moment donné, ils basculent dans l'ultraviolence et ils viennent la réexporter sur le sol français. Et Antoine, il est extrêmement lucide, il est victime du Bataclan, et il dit voilà, on répond, mais nous on répond par le droit. Et c'est ça l'honneur et la vertu du pays dans lequel Guillaume, on vit. Guillaume, vous dites dans ce livre que je trouve extrêmement bien écrit, c'est-à-dire que c'est un livre, comme ce sera un procès pour l'histoire, le procès du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, votre livre, je trouve qu'il compile avec une langue, avec une écriture vraiment particulière, ce qu'il faut garder. C'est-à-dire, c'est presque un livre qu'il faut avoir chez soi et le garder, le lire parfois et se souvenir, et ne pas oublier. Et vous dites à un moment, les criminels ont des choses à nous dire sur nous-mêmes. Ben, quoi trouve... Ils nous disent quoi sur ben, je trouve que c'est finalement le travail de Negar Hariri qui est à côté de moi et le travail également de cette avocate à qui j'ai tendu mon micro parce que c'est ça mon boulot. Moi, je ne suis pas essayiste, je pose des questions. Marie Violo qui défendait l'homme au chapeau, le numéro 2 du boxe. Et elle l'a défendu, son client, son terroriste de client. Mais qu'est-ce qu'elle défend derrière ça? Elle défend l'état de droit, elle défend nos principes parce que la justice, c'est juger, mais c'est aussi défendre. C'est un débat contradictoire et à un moment donné, il faut aller dans ça. Et elle les défend parce que oui, les criminels ont des choses à nous dire de nous-mêmes. Quoi ? À un moment donné. Eh bien, ils nous disent que on n'est pas des monstres, on est des êtres humains, que parfois on vire du côté obscur et parfois on vire du côté lumineux. Et qu'il est possible peut-être, à la fin de l'histoire, même dans un procès de cette ampleur, de faire un pas retour vers la collectivité. Et je crois peut-être que c'est le travail aussi d'un avocat de la défense que de ne pas être tout le temps dans le ferraillage. La manifestation de la vérité, c'est essayer d'amener un accusé de cette envergure, complice d'assassinat absolument effroyable, vers la collectivité. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé dans ce procès qui, moi, m'a absolument fasciné. Quoi. C'est cette confrontation de victimes qui venaient dire leur souffrance à la barre. Et à la distance suivante, Christophe, vous êtes là, moi je suis ici, moi je suis à la barre et vous êtes Salah Abdeslam ou vous êtes Mohamed Abrini. On est à peine à 5-10 mètres et on se regarde dans les yeux. À un moment donné, si cette confrontation elle a réussi à faire osciller, ne serait-ce que d'un cheveu, un seul de ces accusés le ramenant vers la collectivité, alors ce procès, il aura été une réussite. Moi, c'est ce que je crois. Mais ce procès, il a même probablement changé la France, parce que Olivier Véran parlait tout à l'heure de cette musique qui chantait en ce moment un peu sur « il faut faire une justice rapide, vite des procès et des condamnations ». On a prouvé là, avec ce procès de longue haleine, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ces milliers de personnes entendues, avec ces millions de pages écrites, qui a coûté ce qu'il a coûté, peu importe, mais qui était un procès exemplaire. Absolument exemplaire. Ouais. C'est une force pour la démocratie et pour l'état de droit, n'est-ce pas ? Mais exemplaire parce qu'il y a des choses très très fortes qui ont été dites. Moi, je me souviendrai toujours, en fait, d'un témoignage qui m'a bouleversé, qui est celui de Juliette, 29 ans. Elle donne rendez-vous sur une application de rencontre à Cédric qu'elle ne connaît pas, un 13 novembre 2015. Ils matchent, ils échangent leur 06. Voilà, c'est exactement ça, ils se rencontrent et puis ils atterrissent à la belle équipe. Elle a envie de fumer, ils se mettent en terrasse, les yeux pétillent, puis tout à coup la fusillade commence. Cédric est tué sur le coup, elle est blessée et elle dit à la barre, Cédric, je ne le connaissais pas, il est mort devant moi. Elle a voulu écrire une lettre à ses parents, elle ne l'a pas envoyée parce qu'elle a eu peur de leur dire pardon à ses parents. Et moi, j'ai trouvé son témoignage extrêmement bouleversant parce qu'en fait, il raconte l'époque, quoi. Cette nana, elle match sur Tinder avec un garçon et moi, en écrivant ce récit, j'aurais pas pu imaginer un seul instant écrire Tinder et terrorisme dans la même phrase. Et ce procès l'a rendu possible et cette génération l'a rendu possible. Et c'est ça qui s'est dit à la barre de ce procès. Et vous parlez aussi de la culpabilité et à juste titre parce que bon nombre des victimes se sont senties coupables, genre je suis vivante, pourquoi moi ? Bah, tout à fait. Et c'est cette même Juliette qui, de mémoire en plus, qui la première fois a dit je me sens coupable d'être vivante. C'était cette espèce de prison sans barreaux dont on ne peut pas s'échapper 6 ans après les faits. C'est ce que j'ai découvert également. Comment on sort, Guillaume, d'un procès comme celui-là, en y allant tous les jours ?
au palais de justice ou presque. Comment on sort ? Vous avez couvert des guerres, vous avez couvert, vous étiez correspondant à Jérusalem, vous êtes allé en Irak, vous êtes allé en Syrie, vous avez couvert des guerres très difficiles, mais ça c'est un exercice différent pour vous. Comment on sort de ça ? Il a pleuré même. On sort très impacté nécessairement. Vous racontez que vous avez pleuré, que vous étiez même irascible pendant ces 10 mois avec votre proche. Oui, absolument, ouais. Bien sûr. On sort impacté, en fait, très honnêtement... Moi, je crois que la vertu de ce procès, ça a été d'opposer au terrorisme de masse, le témoignage de masse. Sauf que quand nous, on est journalistes et qu'on est en face de tant de personnes, 15 par jour, qui pendant 5 semaines viennent raconter à la barre leur souffrance, très honnêtement, ça vous impacte. Il y a des psychologues qui ont réfléchi sur la question, qui appellent ça le traumatisme par procuration vicariante. C'est-à-dire que vous devenez totalement irascible avec vos amis. Plus rien n'a d'importance. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ne s'intéressent pas à ce procès, à la douleur des victimes, à ce qui se dit dans ce procès, à ce que disent peut-être aussi les accusés et les avocats qu'ils défendent. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, l'avocate, quand elle entend ça, pardonnez-moi, avocate ou avocate, je ne sais pas, je ne sais plus comment. Je pense que Guillaume était plus impacté que moi, parce que quand vous êtes avocat, vous êtes dans l'action, en fait. Donc au départ... Vous n'êtes pas du même côté non plus. Enfin, est-ce que vous avez eu cette émotion? Mais bien sûr. Évidemment. Mais il faut imaginer 5 semaines de témoignages auxquels vous assistez, où les uns et les autres qui ont effectivement vos âges viennent raconter qu'ils ont tout perdu, en fait. Et qu'ils ont tout perdu surtout, à cause probablement d'un des clients dont vous vous occupez. Absolument. Mais vous faites votre métier. Mais de toute façon... Enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas d'être étanche à cette émotion-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, de manière quasi unanime, et c'est ça qui était absolument incroyable, les victimes ont rappelé la volonté qu'elles avaient que l'état de droit se manifeste. Et ça a été incroyable, parce que les victimes ont tous les droits, notamment, non seulement de détester les accusés, mais également de détester les avocats des accusés. Et pourtant, il y avait quelque chose de supérieur à leur douleur qui était, on veut quand même que cet état de droit persiste. Et ça, c'était bouleversant. J'ai une dernière question, parce qu'il serait peut-être la seule question un tout petit peu sensible, un peu de droit que je voudrais poser, et nous sommes sur l'état de droit, et sur le verdict, et les sanctions, et notamment le verdict maximal dont a été touché Sadat Abdeslam, c'est-à-dire qu'il a pris la perpétuité. C'est incompressible. Incompressible, ça veut dire que certains avocats, Maître Leclerc, dit que c'est une mort sociale. Oui, et psychologique et sociale. Est-ce que si un des vrais assassins, car en fait aucun des assassins n'était présent, ils ont tous été tués ou ils se sont fait sauter, si un des assassins véritables, c'est-à-dire notamment le frère d'Abdeslam, de Salah Abdeslam, ouais, avait été présent au procès, est-ce que Salah Abdeslam aurait été condamné à cette peine la plus forte qui existe dans le droit français, c'est-à-dire la peine à perpétuité incompressible, ou est-ce que ce serait un assassin véritable qui, lui, aurait écopé de cette peine ? Maître, j'ai peut-être une question à vous poser. C'est la question essentielle, l'ultime, et je n'ai pas la réponse. Ce qui est important, c'est de se rappeler que la peine incompressible... la peine perpétuelle incompressible, c'est la peine la plus grave, c'est celle qui n'offre aucun espoir de sortie, alors que la peine a pour objet quand même d'être transitoire et de faire en sorte que vous reveniez dans la société. Et donc c'est une mort sociale. Une mort lente. C'est une peine. C'est presque pire qu'une peine de mort, non, en vrai. Oui, c'est une peine de mort différée, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que c'est une peine qui est relative à la gravité des faits. Effectivement, c'est relatif à l'atrocité des faits, mais ça n'est pas une peine qui est relative à mon avis, à la responsabilité d'Abdeslam qui n'a pas de sang sur les mains. Alors après, il y a aussi une intime conviction, il y a des magistrats qui jugent en âme et conscience et qui décident que peut-être que la version de Salah Abdeslam ne les a pas convaincus et les estime complètement impliqués. Non, mais je posais la question par rapport à un véritable assassin. Donc voilà, Salah Abdeslam, on sait qu'il n'a pas tué personne. Non, voilà. Actuellement, il ne l'a pas c'était, fait. C'était juste cette question qui me paraissait importante. Je vous remercie en tout cas d'être venu et je fais comme Léa, je dis que c'est un bouquin à avoir à tous égards, en matière de droit, en matière de droit de l'homme, en matière de témoignage, en matière d'humanité. Et vous avez fait là un livre absolument formidable. Si vous me permettez, Christophe, en fait, je voudrais rebondir sur les propos de Yacine qui était là juste avant nous et qui disait, en fait, moi, je veux pas qu'on oublie. J'ai écrit ce livre pour qu'on n'oublie pas, justement, à un moment donné. Aujourd'hui, on va très vite, on tourne les pages très vite et c'est normal, c'est l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce livre, il sert peut-être à ne pas oublier que ce procès a été très important dans notre histoire. Ça s'appelle « Jeune à crever ». Sous-titre « Attentat du 13 novembre, un procès, une génération », c'est au Cherche Midi. C'est notre histoire, c'est un livre édifiant, fort, puissant. Merci Guillaume. Allez, on va terminer en souriant, même si les sujets étaient graves. Il est de retour, c'est Philippe Cavrivière pour son Pilatus.
Ça va? Hey, bon, je peux vous dire un truc? Ouais. Parce qu'on écoutait l'émission en coulisses avec Yazine. Oh, tout le monde chiale en coulisses. Hein. On entendait nous aussi, on a chialé. Tout le monde chialait. Alors, je me suis dit, bon, là, la chronique. Et puis après, vous m'avez mis le 13 novembre. J'ai pris mon casque, je me suis barré. J'étais sur mon scooter et le mec de la sécu m'a rattrapé. Il m'a dit, non, tu fais quand même la chronique. Donc, et oui, mais là, quand même, voilà. Ben voilà, bon courage. Cette semaine, interview de la mère de Jonathan Daval a beaucoup fait réagir. Voilà, démarrons par un truc elle léger. A... Oh, ouais. Jonathan Daval. Elle a choqué. Parce que la mamoune de Jonathan nous apprend qu'en prison, son fils est devenu très poteau avec l'irritable Guy Georges. Si, il a son petit caractère, Guy. Et c'est mignon quelque part, parce que c'est une maman qui est rassurée parce que son fiston, il s'est fait des copains en colo. Quelque part, c'est joli. Comme quoi, on a fait beaucoup de reproches à Jojo Daval. Il est peut-être un peu soupolet, mais au moins, il n'est pas raciste. Et il est devenu très proche de ce joli métis. Dans l'interview, on apprend aussi que Jonathan Daval fréquente Francis Holm. C'est horrible. La vie est horrible. Non, mais c'est factuel. Hein. Je sais. Ah, bah oui, c'est la vie. Je non, sais, mais j'ai les journaux. Pas. Donc, il y a Jonathan Daval, Guy Georges et Francis Holm. Et allez, c'est la Dream Team. En fait, c'est trois amis liés par la même passion, un peu comme Johnny, Eddie Mitchell et Dutronc. C'est un petit peu les vieilles canailles en zonzon. Enfin, on espère qu'ils ne vont pas, pas repartir en tournée. Alors... L'Arctique est lunaire parce qu'ils ont des activités en prison quand même, ils font un peu du sport, ils font de la pétanque, c'est véridique. Hein. Alors il doit y avoir des scènes surréalistes où l'autre dit « Alors Jonathan, tu tires ou tu pointes ?» Tu verras dans les douches, Francis. À tout à l'heure. Un mot de culture avec cette bonne nouvelle musicale, Michel Sardou et Michel Polnareff sont de retour. Et oui, mais qui est qui? C'est pas Michel Thor, hein, c'est Michel Polnareff. Sardou, Polnareff et Drucker, donc les Michel sont increvables, à part le nôtre qui est un peu piqué du nez, qui s'est endormi pendant l'interview politique. Olivier Véran a essayé de le réanimer, mais il ne sait plus faire. Donc, Michel va bien, il est en lieu sûr. Alors, Michel Sardou avait annoncé en 2017 qu'il arrêtait la chanson, puis il a fait le truc classique. Bah, il a fait ce qu'on appelle dans le métier une Aznavour. Il est revenu, quoi, voilà. Même s'il faut avouer que, depuis 4 ans quand même, vous voyez, Charles tient parole. Charles, il a dit j'arrête, il arrête. Et là, s'il dit je refais Bercy à Noël, là, il y aura un effet de surprise. Un autre chanteur populaire a fait parler de lui cette semaine, Daniel Guichard. Daniel Guichard, oui, il nous a tellement manqué. Daniel ne sort pas un album, il sort une carabine. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi, je me suis inscrit à un club de tir. Vous posez une question. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça a l'air de vous plaire, il est tout. Bah, il vaut mieux, oui. Alors, là. Il est bon, Daniel. Hein. Il est bon, Daniel Guichard. Et alors, là, Daniel, on est plus sur du mourir ensemble que du vivre ensemble, là, Daniel. Daniel, il est passé de la tendresse à la vanne de long rifle. Grand écart facial, à son âge, c'est beau. Non, alors, ils sont chauds, nos papis chanteurs. Michel Sardou, il est vénère aussi. Écoute. Il n'y avait pas les trottinettes qui vraiment nous déclassent. Et il n'y avait pas les vélos que je ne supportais pas. Voilà. Bon, il grille tous les feux rouges. Le prochain, je me le fais. Voilà. Ils veulent fumer tout le monde. Alors, visiblement, Michel Sardou a repris la tournée des Zéniths et des bistrots avant. Alors, entre Sardou qui veut jouer au bowling avec les cyclistes, Daniel Guichard qui a la gâchette qui le démange. Donc, en fait, passé 80 piges, le chanteur de variété... Il devient un peu un rappeur, quoi. Il devient un peu énervé. Voilà. Guichard et Sardou, c'est NTM. C'est NTGM. Nique ta grand-mère. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais je savais que vous n'alliez pas passer à côté de la mascotte des Jeux Olympiques. Hein. Quelle belle idée. Des bonnets phrygiens. C'est formidable, c'est moderne. Et non, mais c'est vrai, avant, on était cons. On faisait des petits animaux pour les enfants. Hein. On faisait des lions, des tigres, des pandas pour plaire aux enfants. Et là, c'est vraiment l'idée de génie. C'est le bonnet phrygien. On a vu l'enthousiasme dans les yeux d'Olivier Véran quand vous lui avez montré. Mais c'est vrai que tous les enfants du monde vont le réclamer. Tous les enfants du monde vont dire « Maman, papa, je rêve de ce bonnet phrygien, symbole de la Révolution française, de l'automne 1793 à juillet 1794. On va en vendre des milliards. » Ou deux, je ne sais pas. Ce sont deux intermittents du spectacle qui sont à l'intérieur. Oui, alors... Frige et frige.
Friz et Frizandi. Alors, c'est un petit scoop. Je vous révèle les noms. C'est, en fait, c'est Isabelle Adjani et Isabelle Huppert qui sont dedans. Et oui, mais après 40 ans, on bosse moins après 40 ans. Et voilà. Alors, tout le monde l'a dit, répété. Voilà, cette mascotte ressemblerait à... Comment le dire, ça, j'ai pas envie d'être grivois, Faustine, mais ça, Faustine. Ça ressemble à... La chatte voilà. Là, la chatte. Voilà. Et oui. Merci à Benoît Paire d'avoir trouvé les mots justes. C'est vrai que ça ressemble quand même. Alors, Frige a longtemps été en concurrence avec... Il s'appelle Frige. Frige. C'est son nom. Oui, c'est ça. Mais ça a été en concurrence, ça, c'est un scoop aussi, avec une autre mascotte qui s'appelait Tubix. Alors, ça, Tubix, c'est un projet écolo. C'est une courgette qui partait au marché avec ses deux grosses sacoches. Et on ne sait pas pourquoi le comité olympique a laissé tomber Tubix. Et c'est dommage parce que ça aurait été mignon pour les enfants. Mais ça m'aurait dit beaucoup plus. Oui. Sûr. Pour terminer, Philippe, un petit mot sur... aussi, on en parlait tout à l'heure avec le ministre, ça l'intéresse, le sujet de la fin de vie. Toujours finir sur une note légère, l'euthanasie. C'est difficile d'assister... impuissant, un acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage médical une tournée d'adieu de Michel Sardou. Alors, quand le patient souffre, ça ne sert à rien. Moi, je pense de le maintenir en vie, j'ai mon petit avis. Vaut mieux le laisser partir ou alors l'empailler, comme on a fait avec Lynn Renault. Non, mais on l'a fait avec Lynn Renault et personne... Moi, je l'ai vu à un mètre, on ne voit pas qu'elle a empaillé Lynn. Alors... Il laisse pas rire, Olivier. C'est quoi la mort idéale? On n'a pas le droit, Lynn Renault, on n'a pas le droit, je vous l'ai trop tard, dit. C'est fait, on l'embrasse. Et... Alors. Vous avez dit. Alors. Il y en a une, vous n'avez pas le droit. Vous avez tous les droits sauf Lynn Renault. Ah d'accord, ok, mais il fallait le dire avant, c'est trop tard. D'accord, alors, je suis d'accord avec Claire. C'est quoi la mort idéale? Parce qu'on pense tous à notre fin de vie, à quoi vont ressembler nos derniers mois, nos dernières semaines. Et moi, j'avais une ex qui me faisait une prévision pleine de tendresse. Elle me disait, toi, tu finiras seul avec tes putes et ton pognon. Et moi, je répondais toujours, je lui disais, Inch'Allah, que Dieu t'entende. Merci. C'est la fin de Quelle Époque. Je vous rappelle l'actualité de nos invités. Michel Drucker, de Vous à Moi, au Théâtre Marigny, les samedis et les dimanches jusqu'au 31 décembre. Chicandier, il est là, Matin Chantant. Bientôt au Mans, à La Rochelle, à Lyon et au Grand Point Virgule à Paris à partir du 12 janvier prochain. Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui. Le livre, cher HarperCollins, et tous les après-midi sur France 2. Ne manquez pas également nos deux documents de la semaine, la série documentaire Fil Facile pour la rumeur tue sur Vaquita, le tout nouveau média d'investigation. Vous avez entendu Yacine tout à l'heure. Et puis le livre Jeune à crever de Guillaume Auda au Cherche Midi. Un merci particulier à Elon Musk qui est avec nous ce soir. Il a enfin compris que Twitter c'était pas mal. Merci à Paul de Saint-Cernin avec votre pote Elon. Merci Philippe. Merci Christophe. Merci Léa. Et puis vous qui êtes chez vous, faites les fous, cassez les meubles, mais sortez couverts. Quelle Époque, rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure, Quelle Époque par Basque lui. C'est relou d'être relou. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois tout en dos, chop, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sonne, prends trois salaires de tes profs. Prends de la merde à tes gosses. Devant la lune en picrosse, redis-le.